Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ici à la salle Michel Vrignot. On est ravis de vous accueillir sur les antennes de Télé Vendée pour un match de basket ce soir. C'est la salle de... Les Chalandais, le Vendée Chaland Basket qui vont accueillir les Sables d'Olonne, le LSVB dans un match de championnat. C'est la 11e journée déjà et Chaland qui doit défendre ses couleurs vendéennes, en terre vendéenne mais surtout en terre chalandaise face à une équipe des Sables qui est en pleine dynamique positive même s'ils ont malheureusement perdu d'un point à domicile c'était cette semaine face à Quimper, le leader. Mais bon, ils présentent un bilan comptable qui, c'est vrai, en début de saison était plutôt mitigé et qui depuis s'est bien rattrapé. Le LSVB qui aura à cœur évidemment de défendre à nouveau son maillot ici, et d'ailleurs ils l'ont fait deux fois l'année dernière. Ils s'étaient imposés ici à Vrignot et les Chalandais étaient allés perdre au Sables d'Olonne. Donc évidemment Chaland aura envie de renverser la table et puis cette fois-ci de prendre une victoire parce que Chaland, c'est un petit peu compliqué ces derniers jours. Les derniers matchs ont été un petit peu tendus, notamment après une grosse défaite, c'était à Tours, de près de 39 points. Une défaite qui fera mal aux têtes, et il est sûr que les hommes de Sébastien Lambert, le coach chalandais, auront eu à cœur de se remobiliser ce week-end et puis parler, dire des choses dans le vestiaire qui auront peut-être remobilisé les troupes. On va vite le savoir dès le début de cette rencontre. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ici à Chaland. C'est les moyens techniques du Vendée Chaland Basket qui font cette représentation sur Télé Vendée. Et donc, on accueille tous nos Vendéens et bien plus. Vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, également sur la chaîne YouTube du Vendée Chaland Basket où vous serez toujours au courant des derniers lives. Voilà, on vous laisse avec les images du match précédent avec les meilleures actions et on se retrouve pour le début de cette rencontre. I'll back up on my quotes. This the realest thing I ever probably wrote. They wore the whip and they ain't walking off the boat. So I'm just trying to give you hope and that's on God. All that I invoke. Sick of politics and homie ain't no votes. Close stranger from afar, you in the scope. Well, I'm the right one to provoke. Last shall be first shall be last. And a man's worth his wages, so please respect my past. But my credit and get where it's due. I'm talking cash, they ain't been listening. They missing dividends out the stash. So, how I'ma live in this rapping and rhyming biz. All these dollars spent to break down your common sense, so pump it. I'm taking shots back at conglomerates. Flavor, flavor, that means on sight. You know what time it is. Now I'm laying down to sleep. I pray the Lord my soul to keep and will not prevail. Not prevail. All that slick talk, brick talk, stick talk. I'm pissed off, that's legit talk. I move a little different like a pimp walk. Youngest getting picked off, sent off, spent off. Well, I can't manage this new world order, Eric Bischoff. I've been praying for change. I've been wishing well. I pray that when you get out, you don't miss that cell. When I grew up, I always heard, don't kiss and tell. Et voilà, ces belles images donc, de la rencontre précédente au Vendée Chaland Basket. Ce soir, on sera deux commentaires, notamment la personne de Benjamin Boutry, ici présent. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Salut Sébastien, merci, ça va bien, toi aussi ? Écoute, très bien, comme d'habitude, on va vivre une belle soirée basket. La salle s'est bien remplie, on sait qu'on fait salle comble ce soir hein, pour le derby vendéen. Ouais, soir de derby, même si c'est un mardi soir, je pense qu'on aura une belle salle ce soir. Eh ben écoute, c'est à souhaiter parce que on a gardé un petit goût amer de l'année dernière avec les deux défaites de Chaland contre les Sables d'Olonne. Et ce soir, ils ont surtout à faire oublier la grosse défaite qu'il y a eu à l'extérieur vendredi dernier face à Tours. Une défaite cruelle, hein, mais une défaite qui va sûrement marquer un peu les têtes. Cruel, oui, on peut l'entendre comme ça, surtout lourde défaite, puisque le résultat final à moins 40, forcément, ça a toujours un impact. L'avantage, c'est que sur ce type de résultat, quand on passe complètement à travers, c'est qu'il n'y a pas de regret, donc on passe au suivant. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas la meilleure manière de se mettre en confiance non plus, et on va tomber face à une équipe des Sables qui, elle, est plutôt en confiance au vu de ses derniers matchs, puisque même si elle a perdu le dernier match à domicile contre Quimper, qui est une des grosses écuries de la poule, eh bien, avant ça, il y avait trois victoires consécutives. Ouais. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dynamiques d'un côté et de l'autre. Et surtout que la défaite face à Quimper, elle se fait au buzzer d'un point. Donc ils étaient clairement tout prêts de prendre ce match et de taper le leader. Donc ils sont pleins de confiance. Alors en plus, ce soir, il y a une petite chose qui change. Ils ont changé leurs joueurs étrangers, notamment avec une arrivée qui a été annoncée aujourd'hui. Et normalement, ils devraient jouer ce soir pour la première fois.
Ça va peut-être donner un peu de vigueur au banc sablé qu'on a manqué en début de saison en essuyant un 6-0 d'entrée, mais qui s'est bien refait depuis, comme tu le disais. Il y a eu deux changements, Sébastien, tu as raison, dans l'effectif sablé, à savoir l'arrivée de Robert Ukawuba, si je prononce bien. Je pense que tu l'as. Et dernièrement, en pigiste, de Frédéric Loubaki, un jeune joueur, Noah Goudoussina, qui arrive, qui était espoir, il me semble, l'année dernière au Mans. Ouais. Alors d'ailleurs, on va parler de cette équipe, on va faire la présentation avec notamment les joueurs des Sables. On va commencer par eux, après tout, pourquoi pas. Alors les joueurs des Sables, je les ai tous mis, je ne sais pas s'ils seront tous là, apparemment non. Joris Bado, qui joueur numéro 0, me semble-t-il. Sidi Djité, le numéro 4. On aura bien sûr Frédéric Loubaki ou pas. Alors, parce que tu dis qu'il est remplacé, en fait, c'est ça que tu me dis. Effectivement, je ne le vois pas. On a Grégory Lessort, un habitué au Sable d'Olonne, qui joue poste 5. Capitaine, le frère de l'équipe. Capitaine et frère du Lessort qu'on connaît tous. Thomas Klein, qui jouera numéro 10. Jeune joueur, donc. Christopher Manerlax, qui sera numéro 13. Il y a également Louis Prolac, le numéro 18, meneur de cette équipe et fort meneur, qui est en provenance de Vitré. Rob Akawuba, tu l'as dit, qui est donc le remplaçant et qui a fait déjà quelques matchs. Une légende du basket, ou presque, Jean-Michel Mipoca, qui a fait d'énormes statistiques, est actuellement, je crois, le meilleur scoreur de la N1. Luca Quedel, numéro 55. Un jeune joueur U18 qui complète le roster. Thibaut Alexis, numéro 92. Et bien sûr, ils sont coachés par Denis Mettet. Et le GM est Jérôme Navier, lui aussi un ex-coach de la Nationale 1 et de la Pro B. Assisté de Clément Payen également. Tu l'as dit, effectivement, il ne faut pas oublier les assistants Clément Payen. Du côté de Chaland, tout doucement, on va vous présenter les joueurs de Chaland, même si vous les connaissez plutôt bien. Avec notamment, et on ne le présente déjà plus, Jerrell Wright, le pigiste, l'américain, qui est un poste 5 à forte possibilité offensive. Paul Turpin, le numéro 7, dit le magicien de cette équipe chalandaise. On verra s'il en est capable aujourd'hui. Rajat Davis, le numéro 10, qui est américano-bahaméen. Arrivé, c'est sa deuxième année au Vendée Chaland Basket. Marc Gosselin, le numéro 13. Issa Fofana, qui lui est sur un double projet National 3, National 1, qui sera le numéro 16. Oh, Lucas Place. Ah, il y a une petite erreur, c'est pas Lucas Place, ça c'est Anthony Prunière, il doit manquer un visuel, mais c'est pas grave. Et voilà, Anthony Prunière, Lucas Place s'est inversé, c'est pas grave. Il sera numéro 20, Lucas Place, ex-meneur des Sablais. Jérémy Bichard, le numéro 66, dont c'est la troisième saison ici au VCD. Patrick Lérance, lui aussi, deuxième saison. Il est arrivé en même temps que le coach Sébastien Lambert. Gary Berchel, le Guadeloupéen, numéro 98. Et enfin, le coach Sébastien Lambert, coach référencé, passé par plusieurs équipes. Il est assisté de Miguel Rollet, qui est assistant coach depuis bien longtemps ici au Vendée Chaland Basket et qui a vu quelques coachs passer. Voilà, alors pour ce qui est du classement, je crois que Chaland est 8e, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont fondu un petit peu dans le classement. J'ai pas noté la place des Sables d'Olonne, je ne sais pas si tu l'as fait. Je dirais 10, 11, 11, 12. Enfin, en tout cas, ils sont pas loin de nous rattraper. On est plutôt bien démarré dans ce championnat. Et puis, Chaland, 8e à 5 victoires, 5 défaites. C'est bien ça. Et les Sables, 13e avec 3 victoires, 7 défaites. Mais on sait que dans ce genre de contexte, derby, ça ne veut plus rien dire. Donc, notamment en plus, au vu de la dynamique d'un côté et de l'autre, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, ce soir, on a deux équipes. Il y a aussi les stats en attaque et en défense de chaque côté. Aujourd'hui, ce soir, c'est l'équipe qui arrivera à défendre le mieux qui devrait prendre ce match. Ouais, et puis tu l'as dit, la dynamique elle est plutôt du côté des Sables, mais en même temps on a vu des matchs depuis le début de championnat qui fait que n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. C'est vraiment la spécificité de cette National 1, où vraiment toutes les équipes, même de petits gabarits qui peuvent paraître peu dangereux, finissent par poser des problèmes aux grosses équipes. Chaland a pris plusieurs grosses équipes, mais ils ont aussi perdu contre des équipes bas de tableau. Tout est possible. C'est une drôle de division et seule la loi du terrain nous donnera un vainqueur ce soir. Et il reste à savoir de quel côté va pencher la balance. Présentation des joueurs donc du côté des Sables, avec beaucoup de Sablais qui ont fait le déplacement. Cette salle est complète ce soir, il y a environ 2500 personnes. Et on est ravis d'accueillir nos amis Sablais.
qui se sont sauvés in extremis l'année dernière, puisque normalement une place en National 2 les attendait. Puis au jeu des changements entre National 2 et National 1, une équipe n'est pas montée. Donc ils ont pu récupérer cette place qui permet ce soir de vivre encore un derby en Vendée. Côté Sablé, il y aura quelques joueurs à surveiller, notamment Jean-Michel Mipoca, tu l'as évoqué tout à l'heure, Sébastien, qui fait un gros début de saison, capable de faire des gros cartons, notamment à Lorient, avec près de 20 points de moyenne. Le nouveau joueur, Robert Oukawuba, Grégory Le Sort également dans le jeu intérieur, et Louis Prolac. Voilà les quatre joueurs majeurs à surveiller de cette équipe sablaise. Et côté chalandais, on a Rachad Davies, Gerald Wright, Marc Gosselin et Paul Turpin qui ressortent un petit peu du lot. Mais ce soir, c'est un effort collectif qu'il faudra fournir pour essayer d'aller chercher cette victoire à domicile. Ouais, et cette victoire, elle comptera, c'est sûr. Et comme la phrase célèbre le dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on verra effectivement de quel côté penche la dynamique. Les règles sont assez simples au basket. Il faut bien démarrer un match, ça évite de courir derrière le score. Chaland en a fait les frais plusieurs fois cette année. Quelques fois c'est passé, on a réussi à remonter. Et puis des fois, on a sombré. Donc début de premier quart-temps très important pour les deux équipes bien sûr. Mais ce soir on est un petit peu plus chauvin, on est un petit peu plus chalandais que sablais bien sûr, puisque c'est avec... les moyens du Vendée Chaland Basket qu'on vous présente cette soirée basket sur Télé Vendée. Donc excusez-nous hein, les Sablais, amis Sablais, si vous nous entendez un petit peu supporter plus Chaland, on ne peut pas être impartial ce soir. C'est toujours compliqué. En même temps, Benjamin, tu as joué à Chaland, mais tu as joué aussi au Sable. Ouais, j'ai joué des. Donc ton cœur est aussi bien, on va dire, ton cœur est vendéen ce soir. C'est ça, on va dire ça comme ça. Allez, les joueurs qui se réunissent une dernière fois pour vous faire vivre l'ambiance de l'intérieur avec les jeunes hein, qui vivent une expérience au milieu des joueurs professionnels. Ouais, on avait une équipe fille de jeunes de l'ERVB présentée avec les sables de l'ONE et puis une équipe de U13 de Chaland. Voilà, U13 d'ailleurs qui s'échauffait tout à l'heure avant le match puisqu'ils étaient à l'entraînement. Preuve que cette salle n'est pas que dédiée aux professionnels, puisque Chaland est club formateur avec son label sur l'école mini basket notamment. Et ce soir on aura aussi les Sherry Dolls qui viendront danser. On vous montrera ça. C'est la réplique des danseuses des Sables d'Olonne. Les arbitres ce soir, on va vous les montrer. Ils sont au nombre de deux bien sûr. Il y a Yacine Bernadouda et puis Cynthia Lequillec. Voilà, vous voyez à l'image. Furtivement, puisqu'ils sont partis saluer les coachs. On les reverra, vous inquiétez pas. Ils vont officier toute la soirée en espérant un arbitrage absolument invisible. C'est comme ça qu'on aime l'arbitrage, c'est-à-dire quand on n'a pas à relever et qu'on voit vraiment que le jeu. C'est important de ne pas hacher. Essayez de ne pas prendre trop de fautes, ça va être aussi une des clés, même si Chaland est au complet ce soir. Le banc est total, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de problématiques liées à des blessés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté chalandais. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, Sébastien, après le dernier match à Tours, cette équipe chalandaise va avoir à cœur, je pense, de se racheter. Et puis, pour le LSVB de l'autre côté, c'est d'essayer de poursuivre sur sa bonne dynamique actuelle. Oui. L'idée, ça sera de les faire douter dès le début du match. Mais c'est peut-être l'inverse qui va se passer. Ouais, en même temps, c'est plutôt pression là pour le coup à l'équipe qui joue à domicile. En tout cas, ça augure une belle partie, Sébastien. Oui, moi j'en suis convaincu. Hein. De toute façon, les derbies, c'est toujours comme ça. Il y a de l'engagement. Et je suis à peu près convaincu qu'effectivement, on aura un beau moment de sport ici à Vrigno. Salle Michel Vrigno, hein, qui... J'étais pas né, elle était déjà là, 1967 si je dis pas de bêtises, qui a vu passer beaucoup de grands matchs. Espérons que ce soir ça en soit un, mais je n'en doute pas.
Monsieur Leboeuf est excusé et ce sera son vice-président qui sera ce soir pour le coup d'envoi, Monsieur Valentin Chos. Allez, ce soir, le partenaire du match, c'est ni plus ni moins que le département de la Vendée, puisque les officiels ont fait le déplacement, en tout cas certains, ceux qui ont pu. Je crois qu'il y a le préfet. Il ne me semble pas qu'il y ait Alain Leboeuf, me semble-t-il. Il était retenu ce soir. Il s'en est excusé, mais la plupart des officiels sont présents pour assister à un derby. C'est pas souvent, donc c'est qu'une fois par an, ici à Vogno. Et encore, ça ne fait que 2 ans que ça dure. Donc espérons qu'on en verra d'autres les prochaines années et que ces deux équipes défendront fièrement leurs couleurs pour être en National 1 l'année prochaine. Avec les joueurs qui font leur entrée, leur côté chalandais, on aura dans le 5 de départ Jérémy Bichard, Paul Turpin, Rachad Davis, Jarrell Wright et Marc Gosselin. Du côté des Sables d'Olonne, on aura Louis Prolac, on aura Christopher Manerlax, le numéro 25, Robert, ou Rob, hein, on peut dire Rob, hein, tout simplement, Oukawuba, donc nouvellement arrivé au Sable d'Olonne. Le numéro 31, Jean-Michel Mikpoka. Et enfin, le dernier qui se présente sur le parquet pour le 5, des Sables d'Olonne, c'est Thibaut Alexis, le numéro 92. Alors, on n'aura pas de lancer virtuel ce soir, a priori, ça sera direct... Ah si, on a un lancer virtuel quand même. Le département qui a envoyé... l'homme de la situation pour lancer ce ballon virtuellement avant d'attaquer les choses sérieuses. 40 minutes qu'il va falloir jouer à fond, sans temps mort, sans creux. Et ça, ça sera sûrement pas facile. Voilà. Allez, on va démarrer cette rencontre avec un premier ballon qui sera disputé entre Jarrell Wright et le numéro 13. Premier ballon pour Louis Prolac. Premier ballon capté donc par les Sablais pour cette première possession. Manerlax qui cherche une solution intérieure. Il ne peut pas la distribuer face à Jarrell Wright, c'est compliqué. Allez. Et qui fait une reprise de dribble. Premier ballon perdu. L'idée c'est d'essayer de trouver Jean-Michel Mikpoka à l'intérieur, mais qui avait bien été contesté par Marc Gosselin. Qui a engendré cette perte de balle. Allez, Jérémy Bichard. Effectivement, bon, apparemment on a un petit problème sur le temps, on va essayer de voir si ça se corrige ou pas, sinon on fera ce qu'il faut, vous inquiétez pas. En attendant, on vous annoncera les scores, c'est pas le souci. On va voir si ça remonte ou pas. Oui, c'est parti, ça va fonctionner avec du retard, mais ça va venir. Jérémy Bichard qui s'est arrêté, petit stop tir à mi-distance. Et premier ballon réussi pour Jérémy Bichard. Et ballon contré immédiatement, c'est Bichard là face à Prolac. Donné à l'intérieur, mais elle est déviée par le pied de Louis Prolac qui la met dehors. Ce ballon sera donc chalandais. Allez, Jarrell Wright qui va retrouver Jérémy Bichard. Qui a coupé dans la raquette sans ballon. Qui a bien été servi. Deuxième panier consécutif pour lui. Et déjà sur une belle dynamique, Jérémy Bichard, il a compris l'enjeu de cette rencontre. On a changé, on va se retrouver avec Mikpoka face à Turpin. Et non, c'est Oukawuba qui va prendre sa chance à 3 points et c'est dedans. Et oui, tir réussi, premier tir tenté par Rob. On l'a dit, à surveiller côté LSVB. Parce qu'il est à pratiquement 15 points de moyenne, ce joueur. Et les Sables qui restent assez haut en pression là sur la montée de balle, au moins du moins pour gêner. Et Rachad Davis là, qui est bien coupé par Thibaut Alexis. Marc Gosselin, c'est raté. Kawuba à nouveau, attention à 3 points. Ah, c'est raté côté chalandais. Rachad Davis à la relance pour Marc Gosselin qui va attaquer le cercle. Main gauche. Et tir réussi. Belle finition pour malgré le contact avec Mikpoka.
Alors, et Okawuba, Paul Turpin qui. Petit souci sur YouTube aussi, vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne Télé Vendée uniquement là. La chaîne YouTube apparemment est arrêtée, on essaiera de la relancer tout à l'heure en attendant. 6-3, Chaland qui entame bien cette première rencontre avec notamment les 4 points de Jérémy Bichard. La remise en jeu de Louis Prolac. Kawuba à nouveau. Il retrouve Manerlax qui fait une feinte, c'est faute, qui là, provoque la faute. Deux panier points accordé. Accordé N1. Il y aura un lancé. Puisqu'il a mordu dans la fin de Gerald Wright, il a sauté dessus. Et ça, c'est condamné. Éventuellement permettre d'égaliser. Et non, c'est raté. Wright au rebond. Jérémy Bichard qui drive. Il a failli perdre le ballon, mais qu'il a réussi à le conserver. Allez, Paul Turpin à 3 points. C'est raté. Mipoka là, qui est bien pris à deux là, mais qui arrive à se faufiler. Je passe par en dessous, mais pas de réussite pour lui sur ce layback. Allez, Rashad Davis qui va finir au dunk, mais pas tout à fait. C'était un peu juste, et c'est 2 points quand même. Allez, Prolac à la main qui cherche sur Okawugu. Kawuba. Marché sifflé. Le ballon rendu à Chaland. Paul Turpin pour cette remise en jeu. Ce sera à destination de Jérémy Bichard. Bichard qui attend une solution. Il demande l'écran. Je ne comprends pas, mais en attendant, le chrono défile. Il reste pas tout à fait 10 secondes maintenant. Jérémy Loret qui va se resituer sur sa main gauche, mais qui retrouve bien Marc Gosselin. Il y aura une faute. Provoque la faute du numéro 13, Manerlax. Donc ça sera la première faute. Ce qui ramène les deux équipes à une faute chacune. Allez, changement avec l'entrée de Greg Lessort pour donner un peu de masse à l'intérieur dans la raquette avec la sortie de Christopher Manerlax. On va voir un changement également dans le jeu intérieur côté chalandais avec Patrick Clérance qui va faire son entrée à la place de Wright. La sortie de Jerry Wright qui a commis sa première faute, qu'on préfère coacher tout de suite après 3 minutes et 30 secondes de jeu environ. Le tir validé, le premier de Monsieur Gosselin. Et 2 sur 2, c'est validé, 100% d'adresse donc pour Marc Gosselin. Marc Gosselin qui a une double nationalité, hein, puisqu'il est français, mais il est aussi sous nationalité américaine, américano-français, donc franco-américain. On en a deux comme ça dans l'équipe. Premier ballon pour Grégory Lessort, qui va jouer son 1 contre 1 face à Patrick Clérance. Oh, il arrive à passer dans le trafic. Réussir, voilà. Et le deuxième qui a la double nationalité, c'est Rashad Davis, qui lui est américano-bahaméen et qui jouera avec la sélection bahaméenne pour tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est dans quelques semaines. Il retournera donc au tournoi. Paul Turpin à 3 points. Et les 3 points de Paul Turpin. Un petit peu de retard ça encore change, sur le là. Score, hein, on est désolé. Ça pose des problèmes ce Kawuba soir. Face à Marc Gosselin, mais ça renverse à l'opposé. Oui, Prolac. Et à nouveau Alexis Thibault à 3 points, c'est rendu. Exactement, shoot parfait qui permet tout doucement au sable de revenir. 13-10, voilà le score exact.
Jérémy Bichard qui va driver, ah dommage. Parti dans le drive, il est poussé dans le dos par Louis Prolac qui commet sa faute. Il a été pris de vitesse, Louis Prolac, par le départ rapide. Les premiers appuis là, de Bichard qui l'ont laissé derrière. Obligé de commettre cette faute pour empêcher finalement un panier facile. Et c'est la première faute de Louis Prolac. Ouais, c'est fait plusieurs fois qu'on le voit sur cette situation, Jérémy, qui arrive à percuter, driver cette défense. Ouais, 0 sur 2 malheureusement. Allez, Mipoka. Oh dommage, qui a réussi à passer là, pas reçu Racha Davis qui était venu au contre. Jean-Michel Mipoka a réussi à passer par au-dessus. Voilà, attention. Grégory Le Sort, qui était un petit peu en retard sur la reprise de Paul Turpin. Allez, Jérémy Bichard qui laisse sa place à Lucas Place, ancien Sablé. Et Marc Gosselin qui retrouve Patrick Lérance qui était resté un peu à l'opposé. Alors il y a une faute de... Oh, apparemment Greg Le Sort qui s'est fait mal. Attention. Je l'ai entendu crier, il a l'air de tenir son genou. On va le revoir. On voit exactement ce qui s'est passé sur les images. On va le voir à l'intérieur là. Est-ce que c'est le genou qui a tourné? Je ne sais pas trop en fait. Est-ce qu'il prend un coup, un choc? Je pense que c'est une petite torsion sur le genou gauche. Hein. C'est pas. Ouais. Il s'est tordu un peu le genou. On n'aime pas voir ces images malheureusement. Il a une torsion sur le genou gauche et c'est sûr que il va bien avoir du mal à se relever. J'ai bien peur que ce soit une sortie là pour Greg Le Sort, hein, puisqu'il ne se relève pas et effectivement sur les images. On a vraiment l'impression que le genou gauche a lâché un peu. J'espère que ce soit pas trop méchant, mais ça paraît pas un gros choc, mais clairement le genou a tourné. Ah, il arrive à poser le pied déjà, mais va falloir manipuler, mettre un peu de glace. Ouais, mais là, j'espère que ce soit pas plus grave. Il fait la grimace. J'espère que ça sera pas trop grave quoi qu'il arrive, mais ouais, il va malheureusement quitter le parquet, peut-être bien définitivement ce soir. Et il va rejoindre le vestiaire, j'imagine, pour être pris en charge par l'équipe médicale. Non, il va s'asseoir sur la chaise. Et il est tout de suite remplacé, hein, me semble-t-il, par Manorlax. C'est lui qui est rentré, non? Non, pas du tout. C'est le numéro 31 pardon, qui a fait son entrée, je crois. J'ai raté la. Je crois que c'est Christopher Manorlax qui est revenu. C'est Manorlax qui est revenu. Non, tu as raison, absolument. Manorlax. Qui prend la place donc. Attention, il faut la sortir. Voilà. Patrick Lérance. Il restera 14 secondes. À nouveau. Il va essayer de jouer le main à main. Il enfonce vis-à-vis. Il crée l'écart. Et ça rentre quand même avec un peu de réussite. C'était prêt à ressortir. C'est quand même tombé au fond. Deux points réussis. Ce sont les deux premiers de Patrick Lérance. Prolac. Attention, ils sont à deux dessus là. Ça veut dire qu'il y en a un qui est tout seul. Voilà ce qu'on retrouve. Match. En plus, il y a un gros mismatch là à l'extérieur. Attention. Sur l'extérieur de la raquette. Ah, là, il y a de la place. Prolac, tout seul à 3 points. Mais c'est dedans. Et oui, il a un boulevard, il a de la place. Il prend sa chance et bien sûr, c'est tir réussi pour Louis Prolac. Davis. 15 partout. Davis qui va essayer de percuter. Non, il prend le shoot à 3 points. 3 points de Racha Davis, autoritaire. C'est bien 3. On va faire un petit nettoyage serpillière. Il y a toujours un retard sur le score, hein. Ça va se mettre à jour, 18-15, il reste 3,55 à jouer dans ce premier quart-temps. Et Anthony Prunière aussi qui fait sa rentrée à la place de Paul Turpin. Paul Turpin, auteur d'une apparition avec un shoot à 3 points réussi, qui laisse donc sa place à Anthony Prunière, première rentrée ce soir pour lui, numéro 25. On fait tourner le ballon.
Lucas Wouba qui se lève à deux points. C'est un petit peu long et le rebond de Lucas Place. Lucas Place qui a hésité à relancer avec Patrick Clérance, mais finalement il a préféré pas la donner. Berchel. Il faut tourner sur Prunière. Voilà, attention, on va pas perdre le ballon, mais du coup ça crée le décalage. Oh, bon, et ça dévie bien en fait. Puissance, mais c'est bien suivi et par Gary Berchel qui remet. Berchel qui vient rajouter deux points. C'est 20-15 le score exact. Il y a vraiment un problème de temps et de score. J'ai pas trop bien vu, mais je pense que la balle va être rendue aux Chalandais. Absolument. Le joueur des Sables qui a voulu faire la remise en jeu, mais qui a dû mordre, qui a dû hésiter à faire la passe. Et du coup, le ballon est rendu à Chaland. Alors d'abord, on va aller sur le banc, puisqu'on a un temps mort demandé par les Sables d'Olonne. Le score, c'est bien 20-15. Hein. Ça va se corriger. On va revoir ça, ce joli move là. Davis a failli finir le travail. C'est finalement Berchel qui l'a en traînard, qui récupère ce rebond. Et on file sur le banc de Chaland pour écouter Sébastien Lambert, notre coach. Ok, if you're here and he cut the pass on you, that's better to come. Ok, come on the end off and rest en transition. Sur la transi, ok. Hey, don't forget. If we switch in defense, we switch under and we protect and deny. If it's ice defense here. Don't forget the opposite to the ball, to control the roll here, to help and come back here. Let's go. Hey, let's do it. Voilà, Sébastien Lambert qui donne ses consignes. Chaland qui mène de 5 points et qui aura la possession. Les Sables qui décident d'arrêter le jeu pour essayer de trouver des solutions défensives et éviter de reprendre tout de suite un panier là qui créerait un premier écart. Ouais, Sébastien Lambert qui a voulu ajuster un point en attaque, notamment sur sa transition. Bon, un autre ajustement, mais cette fois-ci en défense. Allez, Gary Berchel qu'on retrouve. Davis. Rachat Davis. Tête de raquette qui se lève. Mi-distance avec la planche. Magnifique. Et le ballon qui remonte avec Rob Lukawuba. Prolak. Lukawuba hein, qui percute beaucoup, qui tourne beaucoup. Cherche des solutions de distribution. Poka. Une feinte, mais qui va. Dommage. Poka, ouais. Ça va dans la jambe, c'est pas sifflé. C'est Rachat Davis, mais qui va. On peut pas la distribuer. Il va conserver, si. Mais. On va reconstruire quelque chose de propre. Lucas Place. Non, il a hésité, pu prendre le shoot parce qu'il avait bien fait l'écran, Berchel. Pour lui laisser un peu de place au tir. Mais c'est lui qui va le prendre finalement. 3 points dans l'axe, normalement. Il les aime bien ceux-là, mais c'est Patrick Clérance avec l'aide de Lucas Place qui récupère le rebond off. Ça fait du bien de prendre des rebonds. Lucas Place à 3 points, c'est court. Et Berchel qui va la récupérer, non, elle va être sortie. Ah, qui a été elle assez haut la chercher finalement. Eh oui. C'est, c'est bien Rob qui la sort. Thibaut Alexis qui la sort. À la hauteur du rebond là, de Gary Berchel, c'est assez impressionnant. Allez, on a un double changement avec le retour de Paul Turpin, la sortie de Rachel Davis côté de Chaland. L'entrée de Klein et la sortie de Thibaut Alexis. Alors Klein, on le disait, un joueur qui joue numéro 10, jeune joueur. Thomas de son prénom, c'est sa première année au Sable d'Olonne. Clérance qui cherche la solution, il l'a trouvé avec Paul Turpin. Il va lui reposer un écran. Il va essayer de prendre de vitesse, son vis-à-vis, ça sera compliqué. Manœuvre l'axe, marché de Paul Turpin sur le changement d'appui. Ah, il va se faire rappeler à l'ordre. Et il va prendre une technique s'il continue. D'ailleurs, il n'est pas loin de la prendre, je pense. Bah sur changement d'appui, c'est difficile de dire qu'il avait arrêté de dribbler quand même. Mais bon. Oui, après, de toute façon, c'est sifflé, ça sert à rien de. Oui, ouais, il est juste pas d'accord avec la décision. Bon. Donc maintenant, voilà, on joue. Ça sert à rien de perdre d'énergie. Ça. Allez, Lucas Place, là en défense, face à Prolak. Lucas Wouba qui drive face à Berchel, s'arrête, mi-distance.
fait tourner sur Prunière. Turpin, on est reparti dans le main à main du côté de Chaland avec place. L'écran qui n'a pas été posé assez appuyé. Oh là, il y a une grosse faute là, dans le dos. C'est Thomas Klein qui la commet. Et quand on sait le poids de Clérange, pour le bouger comme ça, le faire voler sur Capnet, c'est faut y aller quand même. Hein. Le début de l'action, Sébastien. C'est 7 francs supplémentaires pour Chaland. A désormais 5 fautes d'équipe. Allez, le premier, c'est dedans pour Patrick Clérance. Et le deuxième également. Et on va avoir la sortie justement de Patrick Clérance remplacé par Jarrell White. Temps. Kaouba là qui était à la limite de l'offensive. Allez, Stastik sur l'écran là, on voit Berchel face à Klein. Et c'était le numéro 0, Joris Bado là, qui a tenté sa chance à 3 points, c'est raté. Et Wright, on a trouvé vraiment Berchel. Il y a Anthony Prunière qui avait coupé au même moment. Il restera un petit peu plus d'une minute à jouer dans ce carton. Ce premier carton où les Chalandais mènent toujours de 7 points, 24-17. Allez, changement à nouveau avec la sortie de Louis Prolac et l'entrée du nouveau joueur sablé qu'on voit pour la première fois ce soir, Noah Goudouchina, qui est donc juste qualifié puisqu'il est arrivé officiellement aujourd'hui sur la feuille. C'est ce que m'annonçait le président des Sables d'Olonne, nouvellement signé, et qui fera ses premières minutes, le voici, ballon en main. Frère de Goudoucina qui joue en Jeep Elite à Cholet Basket. Ah d'accord. Oh, les limites du contre là, c'est sûrement bien défendu, juste assez pour le gêner. Et le ballon chalandais après ce rebond défensif. Paul Turpin, cherche une solution intérieure, on la trouve avec Jarrell Wright qui va pouvoir se retourner, faire l'espace. Main gauche. Deux points. Ah. Voilà, ils vont avoir du mal à l'arrêter hein, s'ils ne viennent pas doubler. Il y a un petit nettoyage au sol là après la chute d'un joueur sablé. On va arrêter le jeu. Il a créé suffisamment d'espace en tout cas sous l'arceau là-bas pour pouvoir dégainer et trouver la mire. Allez, la sortie de Jarrell Wright et le retour de Patrick Clérance. Il n'est pas rentré longtemps là, Jarrell Wright. Apparemment, à mon avis, c'est pour éviter de. C'est la gestion des fautes, pour éviter qu'il prenne une deuxième potentielle ouais, juste avant la fin de ce premier quart. Limite de rentrée, mais finalement, Sébastien Lambert le renvoie sur sa chaise. Goudoucina qui cherche l'intervalle, il le trouve à l'extérieur. Joris Bado qui va s'arrêter à 2 points, c'est un peu court. Il est court, très court même. Et le ballon sera donc chalandais. Il restera 12 secondes. Sachant que. Effectivement, un peu moins de 10 secondes pour trouver une solution de shoot. Il faut prendre vraiment le tir à la fin. C'est dommage, c'est presque trop tôt. Beaucoup trop tôt, ça va donner la possibilité pour les Sables d'Olonne de trouver une opportunité. Ça s'est mal géré. Bien défendu. Parfaitement défendu. Ah, Lucas Place qui avait bien lu. Ouais, heureusement parce qu'il est à l'origine de shoot un peu rapide alors qu'on avait complètement le temps. Et heureusement, on ne la prend pas parce que sinon, ça aurait été bon, une double faute presque. Hein. La gestion du temps, c'est important sur les fins de carton. En résultat, Chaland est à plus 9. Hein. Allez, rapidement, on va faire un petit tour sur le banc chalandais. Ça sert à rien.
rien. Ou alors toi tu la mets et tu cours vers l'avant. Ok? D'accord? After! Hey! Antoine, c'est 4 de passe. Ok? Quand ils sont ici, ils coupent le renversement. Ils les coupent pour pas qu'on puisse trouver du rythme. Jouez! Hey! Jouez en end-off situation. Ok? Hey! Reste là, on a le temps, descends. Reviens. Hey, les gars, on lâche pas. Hey! On lâche pas. Hey! Gary! Anto! JRL! Polo! Lucas! Screen! Five flash! Coup de balle en poste! Screen! Dive! Ici! Coup de balle en poste! Allez! Allez, on va demander à notre tacticien Benjamin Boutry l'analyse de ce temps mort, si tu as le temps d'écouter. Quelles sont les consignes de coach Lambert? Situation de end-off, je pense, sur le jeu de transition, mais surtout sur une autre forme de jeu. Essayer de mettre le ballon dans le post-up à l'image du dernier panier de Jarrell White. Je pense que ça s'oriente comme ça. Allez, Lucas Place qui cherche la solution. Il la trouve sur Prunier à l'intérieur, qui finit par trouver Jarrell Wright, qui arrive à créer l'espace. Non, cette fois-ci, c'était bien défendu de la part de Manor Lax, qui empêche Jarrell Wright de finir ce move en hook. On est à deux à défendre, ça défend dur. Mais là, c'est facile. Le boulevard était ouvert, on était à deux à défendre. Attention, là, il faut la donner. Et ce sera Prunier pour remonter cette balle. Là, qui va retrouver Paul Turpin. Oukawuba qui défendait fort dessus. Allez, Lucas Place. Voilà, situation de main à main. Paul Turpin qui cherchait une solution de shoot, il la trouve pas. Ça sera sur Berchel à 3 points, c'est un peu long. Et le rebond de Galoussila. Lucina qui relance avec Klein, mais qui a provoqué une faute. Ah, c'est la faute de Berchel a priori. On va voir ça. Ouais, pour moi, il tombait plus tout seul qu'autre chose, mais Il est sanctionné. Après le ralenti. C'est la première faute de Gary Berchel. Il y a peut-être eu un contact qui l'a aidé à tomber. En tout cas, c'est sifflé. Allez, changement avec la sortie de Lucas Place et de Berchel. Retour de Marc Gosselin et Jérémy Bichard. Grosse activité défensive de Gosselin pour empêcher effectivement de trouver une solution de shoot. Et le rebond sera donc chalandais. Ouais, pour Paul Turpin. Et c'est lui qui va remonter cette balle là pour traverser. Ouais, limite de la perdre là. Et cette fois-ci, on s'en sort bien. Là, les Chalandais qui vont pouvoir construire un système, même s'ils ont été un peu coupés dans la relance. Et c'est Paul Turpin qui va feinter, pénétrer. Et deux points aller au lay-up. Paul Turpin, lui qui pensait prendre le shoot. Attention, ça va aller vite pour Goudou Sina. Jérémy Bichard à qui il attendait l'écran. Présent en défense. Kaouba qui va pénétrer. Il a trouvé le chemin du cercle. Et oui, qui arrive quand même à finir malgré l'opposition de Jarrell White, mais qui ne pouvait pas faire beaucoup plus puisqu'il était en retard. Il s'est presque écarté, on va dire. Hein. Il a laissé finir le move pour ne pas prendre de faute. Peut-être pour garder tout simplement du temps de jeu parce qu'il s'est dit peut-être que s'il en prenait une autre. Il est court là, Paul Turpin. Ouais. S'il en prenait une autre, il serait peut-être sorti immédiatement pour laisser la place à Clérance. Kaouba qui finit dans les gradins et qui rate ce shoot avec la faute. Il y aura deux lancers. Retour de Rajat Davis du côté de Chaland et également de Thibaut Alexis. La sortie de Joris Bado. La sortie d'Anthony Prunière pour Chaland. Alors, cette faute, elle est sifflée. À qui? J'ai pas vu. Qui a pris cette faute? C'est Paul Turpin. Donc, c'est la première faute. Le 8e point déjà pour lui. Qui va laisser sa place. Jean-Michel Mipoca qui revient.
Ipoca, on l'a dit, hein, le joueur à surveiller. Pour l'instant, on ne l'a pas trop vu au scoring, mais ça peut changer, ça peut aller très vite. C'est un joueur qui peut prendre vite feu, vite confiance. Il y a une faute, elle sera sifflée dans le drive là de Jérémy Bichard. C'est Noah Goudoussina qui prend sa première. Allez, Paul Turpin. Tournée, on renverse sur Davis. Davis qui va pénétrer ou percuter, non. Qui va retrouver White. Trouver les mains de Jerry White. Qui va mettre avec la faute. La faute. Alors, photo. Ce ballon qui a failli ressortir, mais qui finalement est tombé du bon côté pour les Chalandais. Et ça va permettre à Jerry White de valider ce N1. Mais on sait que c'est pas trop son fort, les lancers francs. Il obtient souvent des fautes dans la raquette, mais il faut-il encore les confirmer. Et ce fameux N1, cette fois-ci, il est validé. Cinquième point de Rajah Davis. De Jerry Wright. Allez, Mipoca. Goudoussina qui revient, chercher en main à main. Défendu par Davis. Essaye de le retrouver, mais qui est bien défendu là par Jérémy Bichard, même si ça avait changé. C'est Alexis à 3 points. 3 points de Thibaut Alexis. Le 92 Sablé qui a déjà réussi 3 points et qui en rajoute un autre. 6 points ce soir. Jérémy Bichard qui renverse. Marc Gosselin face à Mipoca. Oh, elle était il va retrouver Paul Turpin en déséquilibre à 2 points. C'est raté. Manerlax pour le rebond. Oukaouba, attention, ça va aller vite. Manerlax. Et qui est contré de façon illicite. Faute sifflée contre Gosselin. Il lui prend l'avant-bras au lieu de lui prendre le ballon. C'est tout près de la main, mais ça touche. Faute sifflée contre Monsieur Gosselin. Marc Gosselin, donc ça sera la première faute. Et on va avoir le droit à un temps mort. Alors, temps mort demandé par Chaland, je présume. Donc Gosselin, première faute. Allez, on a une distribution de ballon et on file sur le banc chalandais. Let this guy on the drive and switch with the corner. Noisy shot here. But let this guy switch. Après, on attaque. Take the time. Ok, on a le temps pour jouer. Be careful, select on the shot. Ballet, play two. Play five flash a little bit. Ok, ça marche. Oh, why not? You can play. Ok, allez. Une entame de deuxième quart-temps qui n'est pas à la faveur des Chalandais. En tout cas, ça ne fait pas plaisir à Sébastien Lambert là, qui essaye de trouver des solutions parce qu'il y avait plus 9 et il n'y a plus que plus 5. Donc, clairement, les Sables entament mieux ce deuxième quart-temps. Ouais, c'est vrai. Autant Chaland avait bien fini le premier quart, mais là, c'est plutôt à l'avantage des Sables pour ce début de deuxième. Les combinaisons organisées par Denis Mettet, le coach Sablais, ont l'air d'opérer. Et ça va être même l'occasion de revenir à deux possessions pour Manerlax. Parce qu'il a encore la possibilité de shooter. Ce que demandait aussi Sébastien Lambert, un petit ajustement là, défensif, en disant que s'il y avait un switch défensif sur le joueur qui drivait, il fallait continuer pour récupérer le joueur qui était tout seul dans le corner pour éviter de prendre le 3 points. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure dans le coin. Et Thibaut Alexis nous a sanctionné. Paul Turpin. Il reconstruit un système, et ça sera Bichard avec la combinaison corne. Ah, cette fois-ci, ouais, c'est donné un peu en retard. On repartira à nouveau dans le main à main. Le temps s'égrène, il reste 8 secondes. Il va falloir rapidement trouver une solution de shoot. Et c'est Bichard qui va se lever tête de raquette. C'est un peu court, voilà, ils sont deux rebonds. C'est Marc Gosselin, mais c'est Wright finalement qui la prend en main gauche. Non, c'est refusé. Marché. Panier refusé, c'est marché, d'accord. Paraissait valide, pourtant, celle-ci. Je ne vois pas le marché. Ah, il n'est pas dans la boîte, me dit le réalisateur. Bah, tant pis, on ne le verra pas.
En plus, c'est l'arbitre le plus loin qui siffle le marché. C'est assez étrange. Lucina. Non, faute offensive. Sifflé à Christopher Manor Lax, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est 13. Effectivement à l'intérieur que ça se passe. Tu as raison. Et ça va être sa deuxième. Ça va mettre les Sables d'Olonne à 3 fautes d'équipe, au même titre que Chaland. 3 fautes également. Attention là, parce que Jérémy Bichard avait été coupé du ballon. Marc Gosselin qui est venu en soutien. Paul Turpin qui est bien coupé également. Davis qui va y aller, mais là ça va être marché à nouveau. Goudoucina pour Mipoca. Mipoca face à Davis. Ah, là, il y a une différence à 3 points. Ça, c'est dur, mais c'est raté. Attention à bien le Goudoucina là, qui est resté tout seul. La gamelle et un rebond de Paul Turpin. Rebond défensif. Et forcément, côté Chalanda, on va essayer de remettre la balle dedans. Turpin, il est pris là. Il n'a pas d'autre solution que de redistribuer sur Bichard qui va retrouver. Jared Wright qui attend pour obtenir la faute. Contré par Manor Lax. Et c'est pas Jérémy Bichard à nouveau, non, il n'y arrive pas côté Chalandais. On n'y arrive pas, il n'y a pas faute. Sur les bras là, ça paraît pourtant un petit peu cafouillis, mais non. Les Chalandais qui ne trouvent pas la mire alors qu'ils avaient eu 3 occasions consécutives là après ces rebonds offensifs. Thibaut Alexis qui attend. C'est Lucina à l'intérieur. Qui retrouve Manor Lax. Jared White qui était pris. Qui encore une fois pas voulu faire la faute. Wright qui attend Davis. Davis qui va aller finir au cercle à contre-temps et qui obtient la faute, tire à 2 lancés. Faute du numéro 10, Sablé. Thomas Klein, deuxième faute personnelle. Non mais moi j'ai aucun problème pour discuter. Mais moi je ramasserai pas. Ah mais on s'entend pas. Allez, on s'entend pas. Okay, bah, on est obligé d'être dans la gestuelle, les gars. Regarde, t'es en train de crier, je suis juste à côté de toi. Ah mais je sais, mais c'est parce qu'il y a du bruit. Ouais, Marco. Voilà. Monsieur l'arbitre qui fait la mise au point avec le coach chalandais. Une paire arbitrale d'ailleurs qu'on a l'habitude de voir souvent à Chaland, sur le parquet de Vrignot. Lucina Duda et puis également Cynthia Lekiliek. Alors, 2 lancers de la part de Davis avec possibilité de transformer. Premier validé qui remet un petit écart pour Chaland, mais les Sables en match de traînard est tout prêt. À seulement 2 possessions. Ils auront bien comblé l'écart là depuis cette fin de premier quart-temps. Un deuxième quart-temps. Clairement l'avantage pour l'instant du LSVB. Alors, on est en retard sur la défense. Ça va ouvrir. Ouais. Mipoca, ça a changé. Mipoca, mi-distance. Sur une jambe, en déséquilibre, les 2 points de Mipoca. Il faut essayer côté chalandais peut-être d'insister là sur Patrick Clérance puisqu'il est défendu par Manor Lax qui a déjà 2 fautes. Absolument, il y a moyen de faire quelque chose à l'intérieur, faut-il encore la donner? Là ça a changé, ouais, Patrick Clérance qui va y arriver, Clérance mais c'était Oukaouba sur lui, tire ça avait changé. Tire réussi. Oukaouba qui attend Thibaut Alexis, voilà, dans le main-à-main là aussi. On va percuter. Oukaouba qui cherche l'espace face à Davis, mais il est bien défendu. Ouais, là, il y a duel. Il est repoussé au-delà de ses bases et il reste 3 secondes. Donné à l'intérieur pour Manor Lax. Ouais, c'est Rachid Davis qui avait vu. Qui Paul relance Turpin. Pour Paul Turpin qui va y aller, mais qui se fait cueillir par Jean-Michel Mipoca qui était bien revenu. Ça me semble être légal. Mipoca qu'on va retrouver de l'autre côté. Et qui va rater. Rachid Davis qui relance à nouveau.
Il y a un jeu de surnom à exploiter. Gary Berchel, c'est raté. Patrick Ferrand, c'est... non, c'est Jérémy Bichard qui va finir. Eh oui. Oh, attention là, il y a un geste. Tête contre tête. Ah, il y a eu choc là entre Patrick Ferrand et puis. Oukaouba. Oukaouba qui a pris ce coup là, tête contre tête, sans conséquence. Il n'y a pas de saignement, tout va bien. Et on va retourner sur le banc, a priori, non ? Ou pour soigner, peut-être. Il y a beaucoup de monde sur le parquet, là. J'ai du mal à suivre tout ce qui se passe. Il y a eu tambour. Ah, il y a eu tambour, d'accord. Pas de bêtises. D'accord. Ah oui. Alors, je ne sais pas pourquoi Patrick Clérance est parti à la table, là. Peut-être pour porter réclamation par rapport au contre de l'action précédente. Entre Mipoka et Paul Turpin. Je ne sais pas si on l'avait, ça, l'action du contre. Et alors, est-ce qu'il paraissait valide ce... Apparemment, il est valide, me dit le réalisateur. Donc, il n'y a pas de discussion, effectivement. Un contre valide à la ça limite. Va vite, hein, moi, à vitesse réelle, je le voyais valide après. Ouais, de toute façon, c'est difficile. Un arbitre juge à vitesse réelle. Donc, on peut leur laisser le bénéfice du doute, hein, quand même. On est suivi à côté Sablaise. Allez, on a Rachat Davis qui a pris le rebond et ça s'est terminé après deux tentatives par un lay-up et un rebond de Jérémy Bichard. Alors je ne sais pas trop pourquoi Patrick Clérance était à la table. Il a discuté avec les arbitres là, un long moment avant qu'on démarre le temps mort. Résultat, c'est un temps mort qui va durer 3 minutes. Non mais c'est le coach Sébastien Lambert, c'est le capitaine qui porte réclamation, donc ouais. C'est pour ça. Mais bon. Prêt à porter réclamation, si c'est valide, c'est pas sifflé, il n'y a pas grand chose à dire. Non, c'est au cas où. Au cas où. En fin de match. Ouais. Mais après, ils n'ont pas le droit à la vidéo en National 1. Ça aboutit jamais ce genre surtout que de choses. Mais bon. On sait qu'en National 1, la vidéo n'est pas prise en compte. Donc même si on remontrait des images au ralenti, malheureusement les arbitres ne seraient pas en mesure de juger, puisqu'ils n'ont pas le droit de céder de la vidéo, contrairement aux divisions au-dessus, que sont la Pro B et la Pro A. On va rejoindre le parquet après ce temps mort. Encore une fois, mesdames et messieurs, est-ce que les supporters de Chalon peuvent faire un maximum de bruit ? Il restera 3 minutes 08 avant de rejoindre le vestiaire. Les Sablais sont quasiment dans la pénalité, ils ne peuvent pas faire faute. S'ils commettent la faute, ça provoquera des lancers chalandais. Chalon est à 3 fautes d'équipe, les Sables 4. Très peu de fautes hein, du côté de Chaland pour l'instant. Un tableau un petit peu plus allumé sur les Sablais. Prolac à la main. Qui passe le terrain. Moitié de terrain. Mipoka avec l'écran de Malorlax. Mipoka qui est défendu par Clérance. On se retrouve avec Kaouba face à Lucas Place. Bien coupé. Qui a bien retrouvé Malorlax mais qui est. Attention, qui là, attendait il à peine. Est défendu par un petit. C'est bienvenu doublé. Alexis. À 3 points, il avait il fallait pas le choix. Le prendre. De toute façon, il était au buzzer. À limite de possession, c'était, exactement. C'était un shoot assez ouvert. Malheureusement, il n'a pas transformé. Et Sablais qui prennent un plus 6 pour l'instant. Et Patrick Clérance. Est-ce qu'il va enfoncer Manorlax ? Oui. Ah, non. Passage en force. Passage en force. Il sera sanctionné. Faute du numéro 94. Et c'est sa première. Ouais, l'arbitre a estimé qu'il s'était aidé avec son bras. Et on a eu des pires que ça. Allez. Louis Prolac. Avec Oukaouba qui va y retourner face à Anthony Prunière. Ouais, il est contré par Clérance. Ouais, Clérance, mais qui n'a pas pu prendre le rebond du coup. Cette fois-ci, c'est Manorlax. On y retourne. Oukaouba non plus corner. Alexis dans le même corner que tout à l'heure. Ah ouais, ah c'est oui. À 2 ou à 3. Alors j'aurais dit 2, mais il est sanctionné. On est sanctionné à nouveau dans le corner. Il reste 2 minutes dans ce deuxième quart-temps. Sanctionné, c'est la troisième fois hein, que Thibaut Alexis trouve une ouverture là seul. Il est accordé à 3 points ce panier. Après, oui, oui. Puisqu'on était à 31, qu'on est passé ouais. À 34. Thierry Berchel qui est poussé là, oui. Ouais, il est envoyé au-delà des limites du jeu d'airain. Oukaouba qui va prendre sa première. Alors moi je vois une faute du 5, je me trompe peut-être.
Mais non, il est pas, 25. Il est pas sur le parquet, donc c'est pas possible, c'est 25. Sûr. 25. Ukawuba, qui prend sa première, mais c'est surtout la cinquième, donc ça donnera deux lancers francs pour Gary Berchel. C'est bien de 25, hein, tout à fait, au ralenti. Il n'y a pas de question à se poser. Gary Berchel pour les deux lancers. Alors qu'on entend les sablés qui font du bruit ici à Vognon. On se rappelle qu'ils sont de toute façon dans la pénalité, hein, du côté des sables. Et donc tout lancer supplémentaire pour la minute 42 qui reste sera converti par des lancers chalandais. Et le deuxième qui est bon pour Gary Berchel. Ça sera le cas également de Chaland, puisqu'on est déjà à 4 fautes. Oui, il ne faut plus en faire maintenant. Et plus 4 pour Chaland, 38-34. Il reste un petit peu plus d'une minute 30 à jouer. Kawuba a marché au départ. Le ballon qui sera remis sur le côté. Alors, toujours la petite erreur hein, sur le scoring. On est bien à 38-34 et il reste 1 minute 20 à jouer. Toujours un petit problème d'internet dans la salle qui nous gêne sur les scores et le temps. On s'en excuse évidemment. Alors, il y a une faute qui va envoyer Paul Turpin vraisemblablement sur la ligne. Non, c'est franc. Ça sera la deuxième là, consécutive de Kawuba, ouais, à nouveau, semble-t-il. Faute de Kawuba. Tableau des sablés bien bien allumé là désormais. Hein. C'est la deuxième, effectivement. Allez, sortie, double sortie d'Anthony Prunière et de Clérance. Patrick Clérance qui laisse sa place en poste pour poste à Gerald Wright. Et le retour de Rajla Davis. Du côté des sables, la sortie. Il est coaché, bien sûr, de Rob Ukawuba. Et le retour du numéro 5 sablé, Noah Goudoussina. Paul Turpin pour les deux lancers. Tir validé. Deuxième également, plus 6. À nouveau un petit écart là pour les Chalandais avant de terminer ce carton. Ah, et ballon volé par Lucas Place. Qui la récupère, qui va trouver Rajla Davis. Deux points de Rajla Davis. Et un plus 8 qui fait du bien aux Chalandais qui retrouvent presque la différence du Lucas début. Lucas Place encore. Oh, dommage. Ouais, il avait envie d'être gourmand, Lucas Place, pour se faire entendre des sablés. Lui qui était sablé encore l'année dernière. Les sablés à l'image qui font entendre leur voix pour supporter cette équipe. Le LSVB donc sur la ligne des lancers, puisqu'on l'a dit, Chaland est dans la pénalité. Et c'est Noah Goudoussina qui tente ce premier tir, c'est raté. Deuxième chance pour lui. Il restera un petit peu moins d'une minute à jouer. Et le deuxième qui est validé. Deuxième converti, Paul Turpin qui a décidé de mettre de la vitesse tout de suite. Mais on va reconstruire quelque chose. Ouais, on réinsiste avec Wright. Il trouve que le ballon glisse. Manorlax, il va essayer de le rejouer. Main gauche, c'est bien défendu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a marché. Apparemment, vraisemblablement, j'ai pas vu ce qui était sifflé. Vraisemblablement marché. C'est marché qui est sifflé après. C'est bien ça. Après, il est la tête dans le guidon. Difficile de se défaire de la défense de Manorlax. Attention, la Goudoussina. Goudoussina qui a raté sa passe. Trop basse. Si c'était dans voilà, l'idée. Ça va être compliqué. Rajla Davis, Rajla Davis qui va chercher à l'opposé, mais qui rate son propre rebond. Et ballon rendu. Ballon. Rendu au sablé. Il n'a pas trouvé la mire, la Davis. Il faut dire qu'il y avait du monde dans le trafic. Ouais. Il fallait aller vite parce qu'il y avait le retour de Mipoka. Là. Ouais, c'est pour ça il a voulu chercher à l'opposé, mais c'était... C'était difficile de la mettre. Ouais. Compliqué à réaliser. C'est vrai que Mipoka l'aurait scotché sur la planche, c'est à peu près sûr. Attention, la Goudoussina qui a de l'espace. On va donner à Mipoka dans le corner. Attention là, pas être sanctionné. Et si, on est sanctionné par Goudoussina. 3 points. Qui ramène donc les sables à 4 points. Y a match les amis dans ce derby chalandais. Derby vendéen, attention, pardon. Faut prendre. Ah, il l'a tenté à la dernière seconde. Attention, Goudoussina qui s'est fait mal. Il a pris un écran, je pense, un peu appuyé. Et il est au... Bon, rien de grave, il se relève. C'est juste un coup, il va boiter un petit peu, mais ça devrait aller mieux.
Bon, on va rejoindre le vestiaire. Premier bilan, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça a donné? Ben, premier carton, 26-17. Emporté par les Chalandais. Mais finalement, 21 points scorés par les Sables et 16 seulement par... Ouais, c'est dommage que Chaland finit mal cette mi-temps, où on avait l'occasion peut-être de faire le break. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est à l'image de Goudoucina, les Sables qui revient, qui recolle au score pour finir à 4 petits points à la mi-temps. Effectivement. Ben écoutez, on se retrouve dans une douzaine de minutes. Restez sur les antennes de Télé-Vendée. On se rejoint à nouveau pour le troisième et quatrième quart-temps dans ce débit vendéen. A tout de suite.
Et nous revoilà donc à la salle Michel Vrignot. On va bientôt assister au troisième quart-temps. Troisième quart-temps qui va être disputé parce qu'au vu de ce qu'on a vu en première mi-temps, eh bien, il y a de l'enjeu. C'est le derby chalandais, le derby vendéen, pardon, où Chaland accueille les Sables. Le vrai derby vendéen. Vous êtes sur les antennes de Télé Vendée pour cette deuxième rencontre. Mais tout d'abord, on va parler un petit peu et rapidement d'un petit visuel qui parle notamment des Jeux Olympiques, puisque Chaland est ville organisatrice, ville partenaire. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on va assister donc au début de ce troisième quart-temps, Benjamin, avec un match engagé, hein, même si Chaland avait viré en tête au premier quart-temps avec plus 9, les Sablés ont réussi à revenir dans le deuxième, et c'est une autre affaire. Il n'y a plus que 4 points d'avance, le VCB qui mène 42, les Sables 38, et on va assister. Avantage Sébastien côté Sablais au niveau de l'adresse au tir d'une manière générale et notamment à 3 points, et Chalandais s'en sortent un petit peu mieux en dominant le rebond, notamment le rebond off. Voilà ce qu'on peut dire globalement, et aussi en mettant un petit peu plus de points dans la raquette. Ouais, on a été sanctionné déjà deux fois, voilà, alors là complètement oublié à l'intérieur. On a été sanctionné notamment deux ou trois fois dans le corner par notamment Thibaut Alexis. Il ne faudra pas faire cette erreur. Qu'on fasse une erreur une fois, ou d'accord, deux fois ça peut passer, mais quand ça devient répétitif, c'est plus une erreur. C'est un fait de jeu qui peut vraiment sanctionner les Chalandais. Davis qui va essayer de trouver l'intérieur, c'est compliqué, il est écarté, oula, qui a fini, balancé, mais il n'est même pas sifflé. Et la non, petite Périne qui traîne. C'est Marc Gosselin qui est revenu mettre la claquette. On va attendre un peu là, le temps que Davis retrouve un peu ses esprits, parce qu'il a bien été poussé quand même. Ouais, de toute façon, je vais dire Manor Lax qui a aussi deux fautes. Hein, il va falloir gérer les fautes côté Sablé, avec deux fautes pour Manor Lax, deux fautes pour Thomas Klein et Oukaouba également deux fautes. Ce qui veut dire que si Grégory Lossor ne revient pas sur le terrain, je pense que c'est lié en fait à sa chute de tout à l'heure en première mi-temps. Un problème au genou, semble-t-il. Oui, vraisemblablement. Ballon je pense qu'on le reverra pas. Non, ballon récupéré par Oukaouba. Oukaouba face à Paul Turpin. Faut pas laisser shooter, faut pas lui laisser l'espace. En fait, faut rien lui laisser. Ouais, bien défendu là, voilà, par Jérémy Bichard qui était mis dans l'aide. Rachat Davis qui va retrouver Jérémy Bichard, mais... Ouais, elle est mal donnée, un peu derrière, elle n'a pas pu finir son geste. Paul Turpin à 3, hésité, c'est Marc Gosselin qui va prendre sa chance à 3 points, c'est dedans. Les 3 points de Marc Gosselin. Ouais, qu'on n'a pas trop vu en première mi-temps. Plus 7 qui commence Chaland. Bien. C'est un joueur qu'on voit surtout peu dans les statistiques parce que c'est un joueur de défense, un joueur d'impact, mais il est aussi capable de scorer quand il en a l'opportunité. Et ballon à nouveau volé. Rachat Davis pour Marc Gosselin à nouveau qui va finir au dunk. Et non, qui la dépose au dernier moment, qui était un peu court. Le Prolac qui attend une solution. Il veut renverser sur Oukaouba, c'est fait. Il demande la pause d'écran de Manor Lax. Et ça ouvre un peu de champ là. Il n'y a personne qui défend sur Oukaouba.
Attention. Ouais. Ah, même Jalen Wright ne lève pas les mains là alors que ça lui passe dans le dos. C'est dommage. Il a trouvé facilement le chemin du cercle. Un début de troisième quart-temps plein d'intensité pour les Chalandais qui ont réussi à remettre un peu d'envie là et notamment en offrant un nouveau shoot à trois points. Cette fois-ci, ça roule sur le cercle. Gosselin qui rate la mire. Ça aurait permis de mettre un plus 10. Sur un Thibaut Alexis là, assez raté pour lui. C'est défendu par Jerry Wright au rebond. Jérémy Bichard à 3 points, un jeu de transition. Alors il faudrait les toujours mettre. Toujours pas. Faudrait les mettre. C'est dommage parce qu'il y a des shoots ouverts. Si ça me rentre, Chalon est à plus 10. Mais ça ne rentre pas. Ça va donner l'opportunité aux Sablais d'essayer de retrouver une solution offensive de leur côté. Ouais, on a mis Poca là face à Paul Turpin. Voilà, ça a changé. Complet, là. Attention à l'intérieur. Là, c'est pas du tout. Il y a eu le pic là qui a permis de changer sur le joueur. Mipoca qui passe par-dessus. A cassé main gauche. Ouais, faute technique. Qui applaudit en plus l'arbitre. Attention, on peut en prendre une deuxième sur le coup là. Il n'est pas content de cette décision. Alors, faute technique sifflée donc contre Jean-Michel Mipoca. C'est sa première. Il va falloir qu'il se calme parce qu'il est encore un peu énervé là face à l'arbitre. Comprend pas trop. C'est Paul Turpin qui se présente sur la ligne des lancers. Après, il n'est pas en danger lui au niveau des fautes, donc il n'y aura pas trop de conséquences. Après, Paul Turpin qui sanctionne pas. Malheureusement, oui. Le ballon sera donc chalandais. Puisque sur la possession, eh bien Chaland avait le ballon. On va le rendre à Chaland. Et c'est Jérémy Bichard face à Louis Prolac. Il est capable de prendre le Prolac de vitesse. On l'a vu tout à l'heure finir au panier en mettant Prolac dans son dos. Allez, on va redonner la balle dedans à Jarrell White. On préfère jouer à l'intérieur. À nouveau. Pourquoi reprise ? Reprise, il n'avait pas posé le ballon. J'ai du mal à comprendre. Il reçoit le ballon, il se retourne. On a peut-être soit pas il vu. A marché, soit... Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est sifflé et le ballon est donc sablé avec Louis Prolac pour Thibaut Alexis. Ça tourne dans le main à main là entre les deux. Il demande l'écran. Attention, ça a switché. Finalement, on est revenu. Luka Wuba, 3 points. Et 3 points, Luka Wuba. Très adroit cet Américain là depuis qu'il est arrivé au sable. Et qui ramène à moins 4 les Sablais. Attention, la Bichard qui perd le ballon. C'est Luka Wuba qui va finir encore. Il s'est fait postériser Gosselin là. Il n'a pas pu défendre là, il a raté le contre. Et attention, les Sablais sont à moins 2. Après avoir bien démarré ce troisième quart-temps, les Chalandais qui sont un petit peu dans le dur là. Ouais, avec... attention à force de ne pas enfoncer le clou, de ne pas relancer. Il y a des opportunités de tir, mais on ne trouve pas la mire. Faute de Louis Prolac. Ça sera avant le tir, de toute façon c'était trop long, le tir à 3 points de Jérémy Bichard. Faute du numéro 18, si j'ai bien vu, c'est bien ça. C'est Louis Prolac qui prend cette faute. Ça sera sa deuxième, ça ne porte pas à conséquence là non plus. On a un double changement avec les sorties de Jerry Wright et Jérémy Bichard. Le retour de Patrick Clérance et Lucas Place. Pas de changement du côté des Sables. On le rappelle qu'ont perdu Greg Lessort, qu'on voit sur le banc avec de la glace. Malheureusement, je pense qu'on ne le reverra pas. Ouais, c'est même sûr. Du tout du match. Absolument. Allez, Lucas Place. Place face à Alexis Thibault. Allez, il défend fort. Hein. Et ouais, il va être obligé de prendre le tir. Il est quand même contré. Faute, quand même. Faute sur le tir. Il y aura 3 tirs. C'est une faute sur le 3 points. Donc Thibaut Alexis là, qui allait trop dans les appuis de Lucas Place. Et qui s'en sort bien Lucas Place parce que franchement, il n'avait pas réussi à se défaire de la nasse. Ouais, autant je pense qu'il touche le ballon sur le tir, autant il lui retombe dessus après. Il emmène le corps. Ouais. Absolument, il retombe complètement dans les appuis. On n'a pas le droit de rentrer dans le cylindre sur le shoot. Sortie de Marco Gosselin, le retour de Gary Berchel. Et on va avoir 3 lancers de Lucas Place. L'opportunité pour lui de passer Chaland au-delà des 50 points. Déjà 3 fautes d'équipe pour les Sables, 0 pour Chaland dans ce carton. Qui présente quand même un bilan comptable faute par rapport à Chaland, qui est quand même important. Les Sables, c'est 14 fautes actuellement. Chaland en est à 6 au bilan général. Un petit tour sur les statistiques pendant ce temps-là, le temps que ça reprenne. Eh bien, on peut voir qu'à l'adresse, Chaland n'en est effectivement qu'à 45. Tu as raison, Benjamin. 54% réussi pour les Sables d'Olonne
sont effectivement un petit peu plus adroits. Et surtout sur le tir à 3 points, Chalon n'en est qu'à 23. C'est plutôt peu. Premier tir réussi pour les Sables. Pardon, pour Lucas Place. Encore deux tirs à tenter. Le deuxième également. Lucas Place qui se rappelle au bon souvenir des Sablés. Lui qui a été Sablé pendant deux ou trois saisons. Si je dis pas de bêtises. Au moins deux. Au moins deux. Et qui valide les trois. Et qui salit le public Sablé. Au passage. Ouais, qui le surbrait au lancer franc. Ouais, cette bonne guerre. Cette bonne guerre après tout. Hein. Kaouba. Kaouba qui ressort à l'extérieur. Attention à nouveau Thibaut Alexis dans le corner. On a déjà été sanctionné trois fois là-dessus, heureusement. Ouais, attention, on ne va pas laisser trop d'opportunités comme celle-ci. Et Thibaut Alexis qui rate la mire cette fois-ci. Les Chalandais s'en sort bien. Parce que c'est un match de traînard. C'est clairement un match de traînard. Ouais, non, là, Lucas Place qui la donne à l'intérieur. Il y a un pied. Effectivement, elle est donnée en bas. C'est normal. En tout cas, elle est sifflée, elle est rendue à Chaland. Qu'elle soit en bas ou pas. Pas facile à voir à vitesse réelle. Les arbitres étaient évidemment mieux placés que nous derrière l'écran. Place. Lucas Place à nouveau. Avec l'écran, là, qui n'a pas fonctionné. Si. Ah non. Malheureusement, il n'arrive pas à s'en saisir. La Patrick Clérance, elle était donnée basse. Pas facile avec les mains actives de Louis Prolac qui gêne. Ballon est rendu au Sable d'Olonne. Louis Prolac pour la mise en jeu. Chalon qui n'arrive pas à creuser l'écart. Alors, malgré des bonnes séquences, mais ça laisse toujours les Sables dans le match. Patrick Clérance là, qui est intercepté. Coupé. Lucas Place, Paul Turpin à 3 points. Il les aime, ceux-là, il les aime. Davis au rebond. Il va y retourner, non, il préfère ressortir Lucas Place à 3 points. Et c'est dedans pour lui de Lucas Place. Et 6 points là en l'espace de 2 minutes pour Lucas Place. Attention là, il y a l'ouverture. Manor Lax qui va ressortir. On lui donne du champ, il va prendre le shoot. Et il sanctionne. Rob Ouba ou Kaouba, je vais le dire dans l'ordre, qui sanctionne les Chalandais, encore 3 points. Kaouba hein, qui reprend fort là, cette deuxième mi-temps qui est déjà à 19 points. C'est clairement le meilleur marqueur de cette rencontre. Du côté de Chaland, les deux c'est les Davis et Gosselin avec 11 points. Et ballon perdu là. Ballon sablé. Ouais, dès que Chaland prend un peu de... Un peu d'avance, immédiatement les Sablés répliquent en sanctionnant Paul Turpin qui laisse sa place avec le retour d'Anthony Prunière. Elle est la remise en jeu effectuée par Oukaouba. Tu l'as dit, hein, 19 points ce soir. C'est le Sablé en vue. C'est peut-être la pièce angulaire hein, qui manquait à cette équipe des Sables depuis plusieurs semaines et qui avait fait le début de championnat était un petit peu compliqué. 2 points et la faute. J'allais dire les deux dangers majeurs de cette équipe, c'est Oukaouba et Mipoka qu'on voit à l'œuvre, qui met le panier plus la faute de Gary Berchel. C'est bien ça. Et ça sera la deuxième de Gary. Ah, ça sera coup pour coup dans ce troisième carton, Sébastien. Ouais, on les laisse pas partir, hein, vraiment les Sablés là, qui sont vraiment extrêmement proches au scoring. Et qui veulent tenter leur chance jusqu'au bout ici à Vrignaud, dans une belle ambiance vendéenne, puisque les deux équipes se sont réunies aussi bien sur le parquet que dans les tribunes. Bien malin, c'est celui qui sera à prédire laquelle de ces deux équipes finira devant ce soir. Les Sablés qui ne veulent rien lâcher. Mipoka au premier lancer, enfin au lancer pour le N1 qui valide et qui ramène donc qui tremble pas. Les Sables à une seule possession. Oh, attention. Faute offensive de Gary Berchel. C'est la troisième, attention. Va falloir jouer un peu le coaching. Troisième faute sanctionnée immédiatement là. Et on va avoir un temps mort demandé par Chaland. Et c'est les Sheridals qui vont arriver sur le parquet pour cette chorégraphie.
Allez, les Sheridans donc à l'image. Coach qui redonne des consignes là, parce que c'est vrai que les Chalandais étaient bien partis dans ce début de troisième, et puis encore un petit passage à vide qui a permis au Sable de revenir et de recoller une seule possession, 55-53. À l'image de la première mi-temps, premier carton Chalandais, puis les Sables qui revient dans le deuxième carton, ben, on est sur le même schéma dans ce troisième. Oui, la vérité est au bout du couloir, comme diraient certains, mais elle est surtout dans le quatrième carton. Attention à ne pas se faire de frayeur là pour les Chalandais. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un match de traîneur, c'est qu'à la fin, en général, le traîneur, eh bien, il repasse devant. Et ça, ouais, on n'aime pas ce genre de vilaine surprise. Parce qu'on fait la course en tête, qu'on prend le match toujours, à l'image de la preuve du match contre Berck, où on a été mené au score tout le match, et on prend le match juste dans les trois dernières minutes. Alors évidemment, pour le spectacle, c'était pas terrible, mais bon, ça finit bien pour les Chalandais face, dans ce match-là, face à Berck. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, tu as raison de le souligner. Et là, il a mordu dans la feinte, hein, et Lucas Place qui contre ce ballon. Attention, là, il y a de la place pour Manarlax. Ouais. Oh, il y a la limite du marché. Ouais, puis il y a la limite de prendre la quatrième, peut-être. Points, mais bon, ça fait gamelle. De toute façon, c'était après les 24. Allez, le ballon rendu au VCB. Puisqu'on est allé au bout des 24 secondes pour les Sablais, qui n'ont pas trouvé la solution de tir. Avec une bonne défense de Lucas Place, qui a mis la petite mimine là sur l'interception, empêchant Louis Prolac de prendre sa solution de tir. Davis. Oh là, il y a un coup dans... Ça faille dedans, entre Clérance et... Dans le nez, là. Manorlax. Patrick Clérance qui l'a pris. Ça se jouera pas à l'intérieur, là. Il va falloir jouer et trouver une solution intérieure. Sûr, parce qu'il reste que 5 secondes maintenant. Et il va être obligé de le prendre. Parce qu'il l'a vu. Oui, il l'a vu. Il l'a vu, mais il shoot forcé, dans une... C'est compliqué. Ouais, tire complètement, il était obligé. Forcé. Il n'est pas content de la solution qu'on lui a proposée, là, au shoot. L'Hipoca qui est tombé, mais il est relevé. Prolac. Prunier qui est un peu en retard. Ouais. Il s'est fait dépasser là, par la vitesse. Déplacement latéral, ouais. Ouais, il est parti vite dans le drive et il a été pris de vitesse, Prunier, par Prolac. Allez, on a un changement prévu avec le retour de Paul Turpin. La sortie de Louis Prolac et le retour du numéro 5, Noah Goudoussina. Du côté de Chalon, c'est Davis qui sort, qui laisse sa place pour Paul Turpin. Hipoca pour Sinagoudou. Goudoussina, pardon. Goudoussina, ah ouais, qui a bien trouvé Manorlax. Attention, sur le rôle. Dans la feinte. Il n'y a pas faute, non, ça aurait pu. Et voilà les Sablais qui reviennent sur le score de parité, 55 partout. Alors qu'il y avait plus 6 ou 7 tout à l'heure. Tout est à refaire pour les Chalandais. Jusqu'à plus 9. On va essayer de retrouver une solution dans le main à main. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de décalage qui se crée. Ça a changé, on essaie de retrouver Patrick Clérance. Il y a une faute de Patrick Clérance. Non, vraisemblablement pas. Lui qui a pris un coup là. Là où ça fait mal. Ouais, mais la première faute a été sifflée à... J'ai pas vu qui a pris cette faute, on va le savoir tout de suite. Sur le tableau des scores, c'est Ukawuba qui prend cette faute, le numéro 25. Et qui prend sa troisième surtout. Et qui prend sa troisième faute. C'est encore un peu tôt pour le coacher, mais enfin il faudra quand même surveiller. Est-ce qu'il faudrait pas le sortir? Est-ce que, pour finir le troisième carton, on verra quel est. Est-ce que Denis Mettet va prendre le risque de lui faire prendre sa quatrième? Les Chalandais ont intérêt à jouer ça. Paul Turpin, c'est très court. Court, très très court. Il est peut-être touché même cette balle. Goudoussina, attention là, il y a du monde dans l'intérieur. Il y a mismatch, ça renverse à 3 points. Goudoussina à 3 points dans le corner. Ouais, et voilà, c'est dedans. Et voilà les Sablais qui virent en tête à plus 3. Et les Chalandais qui n'en mettent plus un. Va falloir se réveiller. Le temps mort Chalandais n'a pas donné grand chose là. Gary Berchel à 2 points. Il roule sur le cercle. C'est un petit peu court. Et les Sablais qui vont sûrement trouver tout de suite une position de shoot à l'intérieur. Parce que là, il y a Mipoca sur Turpin. Heureusement, c'est raté, mais on aurait pu être sanctionné. T'as moins 5. Alors, il va falloir jouer du coaching. Voilà qui est fait. Sébastien Lambert qui prépare ses troupes avec 3 entrées pour reformer le 5 majeur. Et Turpin qui y va, qui drive, main droite. Deux points sur la planche, magnifique de Paul Turpin.
Et on retrouve Goudoucina avec Manor Lax à l'intérieur. Faute de Patrick Clérance sur le tir, il y aura deux lancers. Ah, il était en retard là-dessus, il y a, à part mettre la main, là, il n'y a plus grand chose à faire. Et on a du mal là sur les collaborations de pique. Allez, changement avec la sortie de Clérance et le retour de Wright en poste pour poste. La sortie de Bichard, pardon, l'entrée de Bichard et la sortie de place en poste pour poste. Et enfin, la sortie de Berchel avec l'entrée de Gosselin en poste pour poste. On va essayer de redonner un peu de vigueur à l'intérieur avec les mains actives de Jael Wright dans la raquette, qui peut-être prendra ses solutions de shoot proche de l'arceau. Et attention, il y a du monde en face, notamment Manor Lax et Mipoka. Premier tir raté, le deuxième également, mais là attention au rebond. Mipoka qui a pris le rebond, fait qu'il remette dedans. Et qui sanctionne immédiatement, deux points supplémentaires. Ouais, ça fait mal pour les sables. Ah oui, prendre un rebond comme ça, un rebond off, les Chalandais là, c'est compliqué. Première qui prend pas le tir, il est pris right, mais c'est Jérémy Bichard qui est un peu long là. Toujours pas, Première à l'opposé. Et qui est contré, mais il y aura faute. Faute sur de Kaouba qui va prendre sa quatrième. Eh oui, il fallait le coacher, il a pas été coaché, il prend sa quatrième cette fois-ci. Il va rejoindre le banc, c'est évident. Denis Mettet va pas prendre le risque de le laisser là. Et ça va faire sortir du match le premier scoreur sablé avec le retour du numéro 0. Joris Bado qui va donc remplacer Rob Okaouba. Peut-être une petite lueur d'espoir pour les Chalandais. Ça nous arrange, hein, on va être honnête. C'est sûr. Quand le meilleur scoreur prend 4 fautes et sort assez vite avant même la fin du troisième carton, ça ne peut qu'aider. Et en plus, ils ont perdu Greg Lessor, hein, faut le rappeler sur blessure. Malheureusement. Ouais, il va falloir essayer d'insister encore un peu plus, même côté Chalandais. Si j'arrive à provoquer une faute supplémentaire de Manor Lax, peut-être. On revient à moins 1 pour Chaland. Alors qu'il reste 37 secondes à jouer dans ce troisième carton. Goudoucina essaie de trouver une solution de shoot. Il est défendu par Gosselin. Ça change sur l'écran. Duel. Il est pris là. Voilà. Ah, la passe. Magnifique. Elle est belle. Mipoka qui coupe. Et deux points réussis, facile, complètement ouvert. Il restera 16 secondes dans ce carton. Et les Chalandais vont jouer la montre jusqu'au bout. Pas tirer trop vite, pas comme tout à l'heure. Quand Lucas Place a pris son shoot un peu vite à la fin du deuxième. Ouais, Jérémy Bichard. Il n'a pas trop de solution. Obligé de trouver une solution. Il faut le prendre. Trois points, tir tendu, ça roule sur l'arceau, c'est raté. Et on retourne sur le banc pour la fin de ce troisième quart-temps, 59-62 plus 3 après cette coupe de Mipoka là, qui remet un petit écart et qui pour la première fois permet au Sable de terminer un quart-temps en tête, 59-62. Allez, on file sur le banc chalandais pour écouter les consignes du coach Lambert, le coach chalandais. Hey, on les alimente, we give so many points. Offense rebound, mistake on health. Les petits détails, c'est nous qui les alimentons. Tranquille. Discipliné. If we stop in defense, we can run, we must run for the rhythm. But, ok, patience ici, derrière. We can play. Two for put the ball. Inside, a good shot. Two. Ok. On. Play last. Dive quickly, work in the paint. Four. Okay? We can play. Four. Okay? Here. Là. Tu s'anticipes. Tu plonges direct. Et direct, calm down. On the low post. Stay positive. Allez. Allez les gars, on va la reprendre. C'est un derby, hey! Allez, retour au jeu après ce carton où les Chalandais auront fort affaire, mais il reste 10 minutes, rien n'est perdu. Et comme tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, Benjamin, c'est pas parce qu'une équipe est en tête qu'elle va gagner le match. Donc tout est encore possible
Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il faut bien démarrer ce carton et puis surtout trouver le chemin à nouveau du cercle, ce qui n'a pas été le cas dans cette fin de troisième. Hein. Ouais, 24-17 dans ce troisième carton pour les Sables. Et le coach d'ailleurs de Chaland l'a bien dit, hein, on alimente les Sables en ballon. C'est un peu de la faute des Chalandais tout ça. Ouais, qui a demandé un peu plus de rigueur et de discipline, notamment en défense. Et peut-être aussi dans l'exécution des formes de jeu en attaque. Ouais, on perd le ballon. Il y a une faute de Boudessina au sol qui a pris Bichard sur le move. Ah, c'est compliqué là. Mais ça va redonner le ballon aux Chalandais avec la remise en jeu effectuée par Paul Turpin. Pour l'instant, le derby tient ses promesses, ce derby vendéen sur les chaînes de Télé-Vendée, avec un score accroché. Premier ballon donc remis en jeu. Attention, Jared Wright qui se fait prendre les mains. Non, allez, ballon qui touche la jambe. Chalon, parce que c'est Klein qui la sort, Thomas Klein. Ouais, exactement. Il restera 14 secondes de possession à nouveau. On va les redonner. Ballon chalandais. Bichard qui trouve pas la possibilité de la donner Paul pour Turpin à 3 points. Wright. Et Paul Turpin, s'il prenait feu maintenant, il nous faut un joueur clutch, il nous en faut un. Et Chalon 62, score de parité avec les Sables d'Olonne. Donné à l'intérieur, attention encore, l'axe, qui arrive pas à saisir du ballon. Il avait déjà les yeux ailleurs, il n'a pas réussi à se saisir du ballon. Elle était donnée assez haute en même temps. Attention à la remise en jeu là. La remontée de balle effectuée par Jérémy. Et cette salle de Chalon qui pousse les joueurs du VCB. Donnée à l'intérieur pour Gosselin qui ne peut pas la donner. Il y a faute. Faute sifflée à Christopher Manorlax. Voilà la troisième faute. Recherché et qui effectivement commet cette troisième, lui qui est auteur de 9 points. Et l'assistant coach qui dit à Denis Mettet, c'est sa troisième, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de le laisser. Après, alors c'est vrai qu'il était plutôt placé. Il a poussé son vis-à-vis, hein. C'est sanctionnable. Ouais, la balle sera chalandaise. Je pensais qu'elle allait être rendue au sable celle-ci. Ouais, ouais, c'était limite. Hein. Manorlax la touche certes, mais Wright est tout près de la toucher, je pense. Elle est quand même chalandaise. Paul Turpin. Paul Turpin qui a fait l'écart, il a pris de vitesse. Wright qui peut se lever. Mais qui se fait cueillir par Manorlax. Il n'a pas réussi à aller finir le move. Il prend le shoot à 3 secondes. C'est raté et le rebond qui sera sablé. Puisque c'est Thomas Klein qui s'en saisit. Attention, il va aller vite au cercle. Elle est donnée à Boudessina. Et on va reconstruire tranquillement du côté des Sables. Non, il a pris l'espace, il l'a trouvé. Ça renverse. Joris Badeau à l'opposé. 3 points dans le corner. Et ça met 3 points. C'est validé de Joris Badeau. Plus 3 pour les Sables. Bichard à nouveau. Dès que les Chalandais font quelque chose d'à peu près correct, malheureusement, les Sablais en répondent immédiatement avec un shoot sanctionné à 3 points. Ou à l'intérieur. Attention, parce qu'il reste encore pas beaucoup de temps. C'est un shoot compliqué. Raté. Trop compliqué. Et Gosselin qui arrive pas à s'en saisir. Et Jérémy Bichard qui est venu là. En vieux renard qui est venu chipper ce ballon. Il attend que ça se reconstruise. Et c'est Turpin qui prend l'espace. Qui retourne. Et deux ça points. Ça va être panier accordé. 2 points. Le Paul Turpin qui va mettre le feu ici dans la salle Michel Vrignot. Et avoir l'opportunité d'en rajouter un sur le lancer. Chalon qui recolle quasiment à moins 1. Avec l'opportunité de repasser sur un score d'égalité. Sortie d'Anthony Prenier, retour de Rajda Davis. Le N1. Tir tenté donc. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, on attendait la table. C'est validé et on va pouvoir effectivement maintenant. Paul Turpin qui a l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Et ce sera raté pour lui, un peu trop long. Exactement, et c'était la troisième faute du numéro 10, Thomas Klein.
Boudoucina qui a pris l'espace, il préfère la ressortir. Attention, tout à l'heure on en a pris dans le corner. C'est Thibaut qui ressort. Bado qui pénètre, il est rentré. Distribution Manalac, joli passe. C'est bien défendu là de la part des Chalandais. Et les 4 en défense qui permettent de récupérer le ballon puisque Manalac a commis le marché, commis l'irréparable. Ouais, qui avait bien été cerné en défense par plusieurs joueurs chalandais qui ont provoqué ce marché. Bichard. Possibilité de repasser devant si cette possession va au bout. Gosselin cherche à l'intérieur Davis. Davis, voilà qui est fait. Servi. Davis qui est bien défendu. Joel Wright, il n'a pas d'autre choix. Il va falloir shooter parce que là il ne reste plus beaucoup de temps. Il l'avait vu Paul Turpin, mais il shoot au buzzer à nouveau. Shoot au buzzer et cette fois-ci c'est un peu long. Goudoucina qui est défendu par Bichard. Attention, il aime bien pénétrer hein, Goudoucina. Bado qui est défendu par Turpin, on renverse dans le corner pour Thibaut Alexis et à nouveau 3 points dans le corner, toujours le même, les angles à 0 degré, il les adore, plus 4, plus gros écart du match en faveur des Sables d'Olonne. Gosselin, magnifique le move là avec cette passe en transition à l'intérieur, ouais, joli parfaitement backdoor, coupé. Il était coupé par Thomas Klein. Sur la relation de passe, il joue le backdoor, bien ça, servi. On revient à nouveau à une possession. Il reste un petit peu plus de 6 minutes 30 à jouer dans ce match. Ouais, Joris Bado qui reprend sa chance, qui en a mis un juste avant. Là, c'est trop long cette fois-ci. Ouais, là, il rate même la mire. Un gros trou d'air. La porte était ouverte. Le courant d'air a poussé le ballon au-delà de l'arc. Et c'est Paul Turpin qui va récupérer cette balle. Mais on a d'abord un changement avec la sortie de Jérémy Bichard. Le retour de Lucas Place. Du côté des Sables, la sortie de Thomas Klein. Et le retour de Mipoca. Chaque fois que Mipoca était sur le parquet, on a eu du mal à le tenir. Faute d'Alexis Thibault qui va prendre sa troisième faute. Et ça sera la quatrième d'équipe. 4 fautes à 0. Ouais, ça va peut-être se jouer sur les lancers francs à la fin. Hein. C'est à souhaiter pour les Chalandais ici. En terre chalandaise, c'est toujours mieux de gagner. Mais je pense que ce soir, on peut dire que le gagnant sera Vendéen. Donc dans tous les cas, la Vendée gagne. La Vendée basket. Sur les antennes de Télé Vendée, on est ravis de vous faire vivre ces images dans ce derby Chaland-les-Sables. Jarrell White pour place. Il va mettre un écran là sur Paul Turpin. Il cherche à donner peut-être à l'intérieur, non. Il renverse. Rachat Davis qui avait coupé. Parfaitement, deux fois à l'opposé. Parfaitement coupé là. Paul Turpin qui avait vu, qui avait deviné que Davis allait venir dans le backdoor. Attention, ça là. Nous annonce une fin de match. Attends, Mipoca à 2 points seulement. Il avait mordu. Place, alors, là, qui a pris un petit écran là, sur la montée de balle. Elle est donnée à 3 points hein, cette balle. Hein. Ils ont validé 3 points. Right qui se lève, prend la faute. Et voilà, ils sont dans la pénalité les Sablais. Alors effectivement elle est à 2 points mais elle a bien été validée à 3 hein, au tableau. Hein. Il me semble que l'arbitre avait annoncé 2 moi là-bas dans le corner. Absolument, hein, absolument. Je pense que il y a un temps mort. Deux, ça vient d'être corrigé par la table. C'était 2 points. Alors il va y avoir réclamation, j'imagine. On va revenir là, on va appeler les arbitres. Les arbitres à la table pour corriger ça. En attendant, il y a le temps mort. On va vérifier ça, mais je pense que les Sables vont perdre un point. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, c'est corrigé, 68-70. Ouais, confirmé à 2. J'ai pas vu qui avait fait la faute par contre Sébastien sur la dernière action. Excuse-moi, j'étais sur autre chose, j'étais en train de regarder justement ce que disait à la table. Et j'ai pas vu non plus. Écoute, a priori ça serait 3ème faute de Thibaut Alexis. Si je dis pas de bêtises. On va voir ça de toute façon à la reprise du jeu. Je sais même pas trop, en fait j'ai pas trop suivi. J'avais les yeux ailleurs. Peu importe, en tout cas ça n'aura 2 lancers francs à suivre pour Jarrell Wright. Pour essayer d'égaliser. Effectivement. Alors, sauf que c'est pas vraiment le fort de Jarrell Wright, les lancers. C'est maintenant qu'il va falloir prouver que je me trompe.
Allez, deux lancers donc qui seront tentés par Jerry Wright. Ah, il y a discussion là sur le point qui manque au tableau. En disant que c'était bien deux points. Denis Mettet qui attendait l'explication. Qui est fait. Et on va revenir au jeu avec Jerry Wright au lancer donc. Il reste 5:37 à jouer. 5 minutes qui vont être bouillantes ici dans la salle Michel Vrignot. Premier tir réussi pour Jerry Wright. Deuxième est très court. Et le rebond de Wright. Allez, l'occasion pour les Chalandais avec ce rebond offensif d'aller sanctionner immédiatement, donner à l'intérieur pour Marc Gosselin qui se lève. Allez, un peu longue. Et le rebond. Joris Bado. Jérémy Bado. Pardon. De Bado. Joris Bado. Goudoucina. Qui donné trouve Jean-Michel Mipoca. Deux faute de accordé la faute. Gosselin qui commet cette faute. Ça sera sa deuxième. Avec un changement à la sortie de Jerry Wright. Le retour de Patrick Clérance, la sortie de Gosselin. Et le retour de Gary Berchel. Mipoca qui se présente donc pour valider ce N1 lui aussi. Et remettre un peu d'écart, ce qui est le cas. Voilà, les Chalandais à deux possessions, 69-73. Les Sables qui restent un petit peu en pressing tout terrain. À mon avis, c'est plus pour gagner du temps. De défense sur les situations de jeu de demi-terrain. Lucas Place, main gauche, mais qui se fait. Ah, il s'est fait cueillir en haut. Ouais, effectivement. Et c'est une faute du numéro 92, Thibaut Alexis, qui prend sa quatrième. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque de le laisser sur le terrain à 5 minutes ? Oui, apparemment. On va déjà faire les lancers, on verra après s'il y a changement. Mais je ne pense pas pour l'instant. Lucas Place. Tir validé. Ça ramène donc Chaland à une grosse possession. Et le deuxième également. Mipoca pour la mise en jeu à destination de Goudoucina. Attention. Alexis Thibault qui va provoquer la faute de. Alors Gary Berchel vraisemblablement. Ça serait sa quatrième. Je sais pas, ça se joue entre les deux alors. Non, c'est Gary Berchel qui prend cette quatrième. Ouais, ça nous aide pas. Pourtant, les Sablés sont dans la pénalité. Tire un peu court là. Les Sablés sont dans la pénalité. On n'en profite pas sur la ligne des lancers en ne faisant pas provoquer de faute à l'intérieur. C'est bien dommage. Ouais, il faut essayer de jouer au maximum là-dessus. Continuer à garder de l'agressivité. Deuxième tir qui est court également. Et le rebond de Gary Berchel justement. Sans forcer le jeu pour autant. C'est Davis qui prend les choses en main là pour cette remontée. Berchel pour place. On va remettre le jeu en place avec l'écran là de Clérance à l'intérieur. Ah, c'est dommage, là ça roule sur le cercle. Ballon récupéré par les Sablés. Gary Berchel qui n'a pas fini à finir ce move. Qui n'a pas réussi à finir ce move. Ouais, pas de réussite sur cette situation. Attention dans le corner, Joris Bado. Il en a déjà mis un tout à l'heure. Attention là, pas. Oh, Lucas Place là qui. Anti-sportive. Il est d'ailleurs à deux lancers. Lucas Place qui obtient cette faute là de la part de Goudoucina. Les changements avec le retour d'Ukawuba, la sortie de Goudoucina, le retour de Louis Prolac et la sortie de Joris Bado. Alors statistiquement, on en est toujours un petit peu au même point puisque les Sablés sont toujours plus adroits avec 59% alors que Chaland en est à 41%.
Et du côté des fautes perdues, des ballons perdus, c'est clairement les Sables avec 18 ballons perdus contre 11 pour Chaland, qui donne des ballons deuxième chance aux Chalandais, mais qui pour l'instant n'en profite pas puisque les Sables sont toujours meneurs de ce match. Lucas Place, le numéro 20 Chalandais, 9 points déjà ce soir. Attention à la remise en jeu, on a un temps limité, voilà, qui est fait. Place. Est-ce qu'on va réussir à donner à l'intérieur? Toujours pas. Gary Berchel qui va retrouver. Il trouve Davis. Davis qui passe en reverse. Ah, c'est ça dommage, ça roule encore sur le cercle. Davis qui n'arrive pas à concrétiser. Quel malheur pour Davis, qui avait fait le boulot en faisant la coupe. Allez, Prolac avec Mipoca qui va essayer de jouer. Faute Patrick Clérance, de Patrick Clérance qui va faire faute, ouais, qui bouge sur ses appuis. Ça met Chaland. Trois fautes d'équipe, les Sablais sont toujours dans la pénalité. Les Chalands qui ne profitent pas vraiment de ce bonus. La troisième faute effectivement de Patrick Clérance. Allez, changement avec le retour de Gosselin. Ouais, Sébastien Lambert qui s'adapte, hein, qui va jouer plutôt avec des joueurs intérieurs mobiles. Essayer de donner de la dynamique et de la vitesse à l'intérieur face à Mipoca. Ouais, mais Denis Mété qui fait re-rentrer, ouais, du coup Manerlax, Manerlax. On fait re-rentrer immédiatement Patrick Clérance. Ouais, mais il faut patienter un petit peu, ça sera le prochain arrêt de jeu parce qu'il a été demandé après. Ouais. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'on préfère faire rentrer Patrick Clérance du côté chalandais qui en est à trois fautes alors que J.L. Wright c'est une seule faute seulement. Kawuba qu'on retrouve. Il va essayer le petit hoop, non? Face à Paul Turpin. Et il le met. Et à nouveau, plus que 3 pour les Sables d'Olonne. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce match. Donné à l'intérieur, Gosselin pour Berchel. Qui peut se retourner. Oui. 2 points. Qui n'est pas défendu par Mipoca là. Et 2 points à l'intérieur dans cette coupe. Sur les relations de jeu à 3. Prolac pour Okaouba, on donne sur Prolac, on distribue, il va y avoir une pause d'écran, non? Okaouba qui va essayer de percuter sûrement. On va essayer de retrouver Mipoca face à Paul Turpin. Ah, et là, il y a mis ce match complet, là, il va falloir défendre à deux. Là. Ouais, faut venir dessus. Fadeaway là, de Mipoca, c'est raté. Par Gosselin, rebond. C'était compliqué. Les Chalandais qui ont l'occasion de repasser devant. 74-75. Mais faut-il encore aller au bout de cette action et de cette possession? Ça a souvent été le cas. Mais pas toujours, Chaland des fois eu du mal. Et c'est Berchel qui prend le tir à 3 points. Raté. Et ça rebondit dessus, la petite claquette. Oh, et ça Rachat ne rentre Davis toujours pas pour chance. Davis. Ça fait 3 fois. Pauvre ça Davis. Ça roule autour et ça ressort. À croire qu'il y a du savon sur le bord de l'arceau. Et il n'arrive pas à valider. Mipoca à 3 points. Oh, la sanction aurait été terrible pour les Chalandais là. Heureusement, c'est raté. Un tir rapide qui n'est pas validé. Turpin qui se lève à 3 points. C'est lui le joueur clutch là, de cette équipe. Eh oui, qui fout le feu là ici à Vrignot, le magicien Turpin qui permet à Chaland de repasser en tête. Va falloir tenir là, attention. Mipoca, face à place, il ne pourra pas défendre. Ouais, ça vient aider, mais Manorlax qui... Alors on rend le ballon là, puisque la balle, mais elle sera rendue. Berchel l'avait bien récupéré, ouais, mais malheureusement il sort avec le ballon. Allez, il reste 2 minutes, on va rentrer. Ça s'annonce chaud, Sébastien, cette fin de match. Ça s'annonce chaud, la salle se lève, on va rentrer dans le Money Time. Et il va falloir pousser ces deux équipes vendéennes un petit peu plus chaland, puisque ici la salle est clairement acquise aux couleurs du canard. Prolac sur Mipoca. Mipoca ne peut pas donner le ballon. Il ne peut pas la donner, il y a Clérance qui est en obstruction. Et c'est lui qui récupère cette balle. Possibilité pour les Chalandais de remettre un petit écart. Faute technique. Faute technique au banc. Au coach. Alors j'ai pas compris pourquoi, j'avais les yeux sur les joueurs. Parce que Denis Metter a réclamé un pied sur l'action précédente. Ah, ça fait pas les affaires des Sablettes prendre une technique maintenant à 1 minute 44. Offrant les lancers. Cette fin de match va être chaude, Benjamin, n'est-ce pas? Allez, les lancers. Oui. Les lancers. Lucas Place qui, comme depuis le début, ne tremble pas sur la ligne des lancers.
Ouais. Permet de prendre un mini avantage. Et la possession sera rendue à Chaland. L'occasion pour créer encore un petit peu plus d'écart. Lucas Place, c'est 20 points ce soir. 10 points, pardon, ce soir. Numéro 20, 10 points. Paul Turpin qui demande l'écran. Il veut sanctionner d'un 3 points. On sait qu'il les adore. Ouais, il va devoir jouer. Il va vouloir jouer le mismatch. En mobilité là. Face à Manor Lax. Il a pris l'espace. Main gauche, c'est raté. La balle sera rendue au sable. Au sable. Ça paraît réaliste puisque c'est bien. Patrick Pirance qui la sort. C'est tout à fait ça. Chaland peut encore donner une faute. Mais les Sablais vont avoir l'opportunité de resserrer un petit peu. La sortie de Manor Lax, le retour de Thomas Klein. Temps mort demandé par le LSVB. Ah, voilà, on va rejoindre le parquet pour aller voir notre banc chalandais et les consignes du coach Lambert, Sébastien Lambert, pour la minute 29 qui nous reste. On va sur et on file sur le banc. Hey, oh, hey, 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 on peut switcher, we can switch, ok. Stop with the switch. Hey, we switch, switch. Hey! 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 If they play, mismatch! Mismatch! Back to the basket! Back to the basket! Okay? Now, no middle and drop! Don't try to steal the ball! Okay? Protect! Oh! Hey! Two! Two avec les deux quatre! Ok, si la balle elle est là, pique et pop et on libère. C'est bon. Bon, je sais pas si t'as compris quelque chose, Benjamin, à ces consignes. Non, t'entends pas grand chose. C'était compliqué, il y avait trop de bruit dans la salle. C'était. Je sais pas si les joueurs eux-mêmes ont pu entendre ce qu'a dit le coach. Hein, tellement le niveau sonore était élevé. Tellement il y a de l'ambiance ici. Tout le monde veut voir son équipe gagner. Mais il y a plus de Chalandais, alors est-ce que ça suffira à faire le sixième homme? Vraisemblablement, en tout cas on l'espère pour les Chalandais. Mais les Sablais ne sont pas en reste et ils vont tenter tout de suite de resserrer l'espace qui les sépare. Mipoca, qui est bien défendu hein, par Gosselin, mais malheureusement il finit le move, hein, parfaitement exécuté là de Mipoca, très joli. Gros shoot. Pas facile, avec une belle défense pourtant de Gosselin qui lève bien le bras, sans commettre de faute. Lucas Place pour Davis. Davis qui demande l'écran. Il veut prendre de vitesse son vis-à-vis. Il est pris. Il va le jouer là dans le poste-up. Il va le jouer, il va le jouer. Et toujours pas. Mais c'est, il est maudit, Davis. Il est maudit quand ça veut pas. C'est dingue. Ouais, ça fait deux tirs là où. Ça fait quatre en tout. Quatre là depuis le début du quatrième quart-temps. Mipoca qui y retourne. Et deux points de Mipoca. C'est lui qui sanctionne. Et temps mort demandé par Chaland. Eh oui, parce que Chaland vient de se faire doubler là. Deux paniers consécutifs. Il reste 47 secondes de jeu. Ouais, on de profite plus 3 pas. À moins 1. Et oui, et on profite pas de la pénalité Sablaise là qui est toujours dans la pénalité avec ses 5 fautes. Et malgré ça, on va pas trop sur la ligne des lancers. Malheureusement, là, les Sablais qui reviennent en tête. Et Chaland qui se fait déborder en sortie de temps mort là. C'est deux fois par Mipoca. On sait que c'est un joueur qui est capable de prendre le match à lui tout seul. Hein. On n'a pas trop vu en première mi-temps, qu'on a plutôt bien tenu Sébastien, mais qui déjà là à 20 points également. Qui vient de marquer deux paniers consécutifs. On a bien vu le système de Denis Mété. Hein. C'était préparé cette action-là en sortie de temps mort. Tout à fait. Et malgré la belle défense de Gosselin, ça n'a pas suffi. Et ça tient à pas grand-chose. Hein. Deux ballons qui tournent autour d'un côté, deux paniers de l'autre. Ça permet au SAP de reprendre l'avantage de plus 1. Allez, il restera un peu plus de 45 secondes pour trouver la solution.
Et à l'image un petit peu de Mike James à Monaco, capable de prendre les shoots vraiment de très important. C'est Mipoca pour l'instant qui prend ce rôle dans le Money Time. Et pour l'instant, c'est bien les Sables qui sont en tête. Gosselin qui percute. Gosselin qui va. Ça roule sur le cercle. Qui va provoquer. Faute offensive de Marc Gosselin. Il restera 28 secondes. Ils peuvent jouer la possession pleinement. Je vois pas comment ils peuvent faire faute offensive si le joueur est dans le demi-cercle. Non, le joueur est à l'extérieur. Il a les pieds devant le demi-cercle, Benjamin, sur le replay. Tant pour moi. Vitesse réelle, j'aurais dit dedans. Mais au ralenti, on voit clairement qu'il est devant. Donc suffisamment devant, en tout cas, pour que l'arbitre sanctionne une pour qu'il puisse y être. Faute offensive plutôt qu'une faute défensive. La mise en jeu avec une presse tout terrain là des Chalandais. Est-ce que ça suffira? On renverse. Et ballon. Oh, la limite d'être chippé, mais c'est raté. Oukawuba qui va pouvoir faire la mise en jeu. Elle est rendue au Sablé, cette balle. On a essayé de couper un peu le temps. Il restera 19 secondes. Il y a 4 secondes d'écart entre le temps et l'horloge des 24. On la donne pour Klein. Klein pour Prolak. On renverse. On fait tourner le ballon. Il faut s'en remettre tout de suite en défense. Il faut absolument réaliser un stop. Il n'y a pas le choix là. Faute. On décide de faire faute. Alors, malheureusement, on n'en avait plus à donner. Donc maintenant, ça va être sur la ligne des lancers. Et peut-être l'occasion pour les Sables de virer en tête grandement, puisqu'ils sont déjà à plus 1. Peut-être l'opportunité de passer à plus 3, ce qui obligera les Chalandais à aller chercher le 2 plus 1 ou alors le 3 points pour essayer d'aller chercher une prolongation. Compliqué ça. Hein. Premier tir validé. Attention. Est-ce que les Sablés ont retenu l'adage? Le derby, ça se gagne. Apparemment, ils sont bien partis pour. Il restera 14 secondes pour faire mentir. Et 3 points d'écart. 78-81. Et il reste 14 secondes à jouer. Quelle solution on va trouver? Est-ce qu'on aura une prolongation? J'allais dire la suite au prochain épisode. Eh non, et le prochain épisode, c'est à la fin de ce temps mort. Quelle option défensive en sortie de temps mort pour les Sables? Est-ce qu'on va décider de défendre au risque de prendre un 3 points ou est-ce qu'on va faire faute volontairement pour envoyer sur les lancers? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais quelle affaire! Et si les Sables gagnaient 3 fois en 2 ans face à Chaland? C'est parti pour, en tout cas. Et c'est vrai que la dynamique est toujours de celui du côté de celui qui gagne. Mais là, c'est vrai que sur le dernier match, c'était plutôt les Sables qui avaient la dynamique. Et ça ferait mal à Chaland, là, qui serait repoussé pratiquement à la 10e place, ce qui permettrait aux Sables de revenir très proche. Ouais, c'est ça. On recollerait à une longueur. À une longueur seulement, hein, défaite, victoire. Mais il reste 14 secondes et au basket, tant que c'est pas sifflé, il y a toujours des opportunités. À qui on va donner le shoot? À part Paul Turpin, peut-être. Mais faut-il encore le mettre? Après, il y a encore le temps aussi de jouer l'option à 2 points pour revenir, refaire faute derrière. Allez, cette remise en jeu sera effectuée par Rajat Davis. On l'a dit, 14 secondes. 14 secondes 5 sur l'horloge. Autrement dit, la même chose. On renverse. C'est bien défendu par Mipoca qui empêche Gosselin d'aller au cercle. Paul Turpin. Faute sifflée. Faute sifflée contre le numéro 92, Thibaut Alexis, qui prend sa cinquième, qui va donc sortir. On va faire retourner Louis Prolak. Il y aura 2 lancers. Mais 2 lancers, c'est pas suffisant. Parce qu'après, il restera 8 secondes. Alors, c'est quoi la solution? La bonne solution, Benjamin? Même si on mettait ces 2 lancers, la possession sera donc sablaise, à part commettre faute. Sinon, c'est de rater le deuxième. Espérer, ça peut être une option, c'est déjà d'essayer de mettre les 2 pour recoller au maximum, ou alors de rater le deuxième et prendre le rebond. Ouais, le problème, c'est que la possession sera immédiatement sablaise. On sera condamné à faire faute. Sinon, il faut aller chercher le rebond là, avec les 2 grands que sont Gosselin et Berchel, qui sont très verticaux sur leurs appuis, capables d'aller chipper le ballon. Mais il y a Mipoca, notamment, et le deuxième est validé. Alors maintenant, il n'y a plus le choix, il faut défendre haut. Mais il reste un temps mort au Sable. Il reste un temps mort et les Sables vont avoir le en terrain haut. Possibilité donc de se rapprocher du cercle. Et les Chalandais n'ont pas vraiment le choix que de commettre une faute. Si on joue la montre, on est mort. Donc. Ça va jouer à rien du tout.
au lancer. Ou alors il faut tenter l'interception là sur leur mise en jeu. C'est la seule vraie option là pour les Chalandais. Dans un premier temps, il faut essayer de jouer cette interception, mais après, il faut essayer de faire faute rapidement. Allez, on file sur le banc de... Pour ne pas laisser trop de temps s'écouler. De Sébastien Lambert. The rhythm with the switch. At this moment, Jérém, tu tiens prêt. Jérém, tu tiens prêt, gros. OK. Ici. Là. Derrière, sur la remise en jeu. Sur la remise en jeu. On sera Lucas Jérém. Lucas Jérém avec Polo à la remise. OK. Chad. Chad, Laz et Gary et Marco, tu resteras là. OK. On vient sur les écrans. Do a screen. On le full force. Screen et pop. On va essayer de jouer un système avec des petits joueurs hein, que sont Lucas Place, Davis et Turpin. Et que peuvent-ils tenter? Déjà, il faut l'attraper cette balle. D'où la mobilité sur le terrain. La vérité, dans 8 secondes 8, est-ce que les Chalandais vont trouver la solution? Pour l'instant, c'est clairement les Sablais qui ont l'avantage. Et ça change partout. Oh. Il restera 5 secondes. On a mangé 3 secondes sur le chrono. La faute est donnée, je pense, à Rachid Davis, évidemment. La faute a été sifflée un peu très tardivement. Tard, exactement. C'est la deuxième faute de Davis. Ça va offrir deux lancers. Ami Poca, qui n'est pas le plus maladroit. Mais Chalon aura l'opportunité, peut-être, d'aller tirer à 3 points. Si Ami Poca valide les deux. Pour l'instant, il ne tremble pas sur le premier. Et 5 secondes pour retraverser le terrain, sachant que Chalon n'a plus de temps mort. Et trouver une solution de shoot, ça va être compliqué. Hein. Et le deuxième est raté. C'est raté, il reste plus que 5 secondes, attention. On est déjà de l'autre côté. Lucas Place. Qui met au buzzer ! Au buzzer, il reste 5 dixièmes. Pour égaliser. 5 dixièmes, attention. Attention, cette fois-ci, on rentre dans un vrai derby, dans le Money Time, 5 dixièmes. Ils n'auront pas le temps de tirer, hein, de toute façon. Ouais, c'est fini. Fini, on aura une droit à une prolongation, les amis. On va rallonger un peu le bonheur et le plaisir du basket sur Télé-Vendée. 82 partout, Chalon qui se sauve sur le buzzer, sur le gong, pour arracher cette prolongation. Eh ben vous vouliez du basket, émotion, vous en avez ce soir dans le derby vendéen. Quoi demander de plus qu'une prolongation, Sébastien, pour un derby? Bah un derby gagnant. Voilà ce qu'on peut demander. Mais les Sablais en demandent aussi. Quelle belle rencontre, finalement. Chalon, il ne restait pas beaucoup de solutions. C'est bien que Mipoca gratte le deuxième et que Lucas Place ait pris feu pour remonter toute vitesse, ce qui a été le cas. Et deux points validés de Lucas Place qui était tout près de se faire contrer sur l'arceau hein, quand même. Ouais, hein, qui était parti en contre-attaque malgré le lancer franc raté de Mipoca. C'était Marc Gosselin qui avait pris le rebond et qui a bien vu Lucas Place partir en contre-attaque, qui l'a bien servi et qui permet aux Chalandais d'égaliser et de partir en prolongue. Alors qui va s'en sortir le mieux? À ce petit jeu-là. Moi, je sais qui c'est le gagnant. Mais bien malin celui qui disait tout à l'heure, je le disais ça. Bien malin qui saura qui gagne. Au vu du résultat pour l'instant, personne ne veut lâcher. Les deux équipes ont vraiment faim de ballon. Et il y a encore 8 secondes, j'aurais pas dit ça. Et comme quoi au basket, tout peut aller très vite. Alors du coup, là, on a des deux équipes qui sont dans la pénalité. On va garder ces pénalités, 5 fautes partout. Mais il y a plusieurs joueurs du côté des Sables qui en sont à 4 fautes, notamment il y a déjà eu Thibaut Alexis qui est sorti sur la 5ème. Il y a Rob Ukawuba qui lui en est à la 4ème, ce qui a scoré 23 points ce soir. Et également le numéro 13 qui a 4 fautes. Manorlax. Qui est Manorlax. Et à noter aussi les très jolis 21 points du numéro 31, Mipoca, Jean-Michel Mipoca. Avantage au Sable là, pour repartir. Prolac. Essaye de trouver l'intervalle face à Mipoca. On va retrouver Mipoca qui a bien défendu et Davis là-bas, qui il y a faute à l'opposé. Chipper. Non, c'est faute pas de Davis, c'est faute de. Ah oui, il est passe par-dessus. Goudoucina. Exactement, il est pris dans son move. Parce que Davis avait récupéré le ballon. Qui avait, Il lui passe par-dessus, il lui fauche la tête, il lui prend la tête. Donc il y a bien faute de Goudoucina. Noah Goudoucina. Et deux lancers. Et deux lancers, évidemment, puisqu'on a dit, hein, en overtime, on garde les lancers. On garde les fautes. C'est la 4ème
de Goudoucina. Du coup, il y a trois joueurs sur le parquet. Si je dis pas de bêtises, non, je dis les bêtises, puisque Manor Lax est sur le banc. Mais Goudoucina, il me manque qui là? Et Wakawabu, oh, ça y est, je l'ai plus. Tu cherches mangé, qui, Rob. Oukawuba. Oukawuba. Ah, dès que ça démarre mal, je donne dans le désordre. Il a raté? Oui. Ah, il a raté, zut. Davis donc, Rachel Davis qui rate son premier tir, le deuxième, pour essayer de repasser devant, ça faisait longtemps, et voilà qui est fait. Plus un pour Chalon. Gosselin qui défend sur Okaoubou. Par Gosselin. Mipoca, fadeaway. Oh, joli ça. Il se retourne immédiatement et... Ça c'est fort. Hein. Il prend le tir en fadeaway par-dessus le défenseur. Et il repasse devant les sables. Au jeu du chat à la souris. Qui de la souris ou du chat finira par gagner. Gosselin à 3 points. À 3 points. Il est long, il est très long. Mais c'est Berchel. Le rebond de Berchel, non. Elle est... Ah, je la voyais sablaise. Berchel, je la voyais chalandaise, pardon, cette remise en jeu. Ça va tellement vite, on a du mal à le voir. Allez, on revient au jeu parce que c'est important. Kaoubou, Kaouba. Kaouba. Kaouba qui ressort le ballon sur Mipoca, encore lui. Là, cette fois-ci, c'est raté, mais il faut prendre le rebond. Et le rebond est sablé. Deuxième chance. Attention, il n'y a personne qui défend là sur... Goudoucina, il donne à l'intérieur. Allez, non, on perd là, le c'est ballon perdu. Ouais, les Chalandais s'en sortent très bien. Les Chalandais s'en sortent très bien. 3-42 à jouer. Et 83-84. Ouais, attention, on passe sur voler le ballon là. Paul Turpin qui était vraiment limite. Lucas Place. On pose l'écran. Gosselin qui pose l'écran. Turpin qui prend l'intervalle, oh, c'est compliqué dans le trafic. Berchel s'en sort en s'écartant un petit peu et trouve la planche, plus 2, et Chalon qui repasse devant. La un première score des deux 85 équipes là, qui arrivera à faire un stop, lui Prolac. Ah, 3 points. 3 points. Et Chalon qui menait de 1 point, 85, et qui prend un éclat à la 85-87 avec ce 3 points. Qui aurait même pu donner la faute à Prolac, hein, parce qu'il est parti au sol, il était sûrement tout prêt de prendre le N1 là-dessus. Qu'on n'a pas trop vu jusqu'alors, mais là qui trouve la mire. Allez, il reste 3-0-7. Qui permet au Sable de repasser devant. Plus 3, 2. 3-0-7 à jouer pour être précis. Et la remise en jeu de Paul Turpin. Alors faut-il encore le mettre, hein, pour essayer de revenir là. Attention au stop des Sablais qui vont essayer d'arrêter les Chalandais. Il faut trouver une solution. Est-ce qu'elle va être intérieure ou extérieure? Il va essayer de défier place par sa vitesse. Petit fadeaway, il est court. Berchel avec la claquette. Avec attention Gosselin là. En plus. Gosselin qui la ressort pour Lucas Place dans le corner à 3 points. Et c'est 3 points de Lucas Place qui rend l'appareil à Louis Prolac. Et qui permet à Chalon de repasser en tête plus 1. Oukaouba. Oukaouba qui percute. Faute de Gary Berchel qui va prendre sa cinquième sur cette action. Absolument. Gary Berchel qui va rejoindre le banc. Allez, on va faire re-rentrer Jérémy Bichard. On va jouer plutôt small ball pour s'adapter un petit peu au profil de l'équipe sablaise qui est sur le terrain. Ouais, qui est là pour chipper les ballons et jouer vite. Ça joue plus avec les grands là, à part Mipoca. Kaouba qui en rajoute un, 24 points. Ouais, tremble pas. Les deux joueurs là... Mipoca et puis Kaouba. C'est près de 50 points scorés ce soir à tous les deux. Deux tirs réussis. Et les Sables qui repassent devant plus 1, 88-89. Turpin à 3 points.
Tire contre long. Marc Gosselin qui la récupère. On préfère ressortir le ballon et reconstruire un système. Gosselin à l'intérieur, non, c'est pas donné, dommage. Ah, Paul Turpin qui a pris l'espace. Allez, mais... ballon volé avec les bonnes mains de Mipoca. Attention là. Deux lancers alors que les sables étaient à plus 1. Ça va donner encore une fois l'opportunité aux sables de s'échapper. Deux lancers à Goudoucina, faute de Jérémy Bichard. Aïe, 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 aïe. Le ballon l'a volé dans les mains là de. Dans les mains de Turpin par Mipoca. Il fait mal, sinon ça finissait au cercle. Première faute de Jérémy Bichard. Il avait les mains bien actives là sur cette action. Alors, l'occasion pour donner 3 points. Voilà qui est fait, 3 points d'avance. Au sable. On a changement avec le retour de Patrick Clérance, la sortie de Jérémy Bichard. On le fait re-rentrer pour essayer de prendre Mipoca sûrement à l'intérieur. Mipoca n'a qu'une faute hein, de toute façon. Pour essayer de trouver un point de fixation, je pense qu'on va ça, peut-être évoluer sur des changements comme ça pour prendre l'avantage en attaque, peut-être changer après l'action suivante pour s'ajuster défensivement. C'est Rachat Davis sur Paul Turpin. Ouais, une attaque qui a échoué malheureusement. Davis à 3 points. C'est dedans. 3 points de Rajah Davis. Qui remet les deux équipes à égalité. Sur un score de parité, Benjamin. Qu'est-ce que c'est que ce match? Mais c'est un truc de fou. Est-ce qu'on ira se coucher tôt ce soir? On n'est pas parti pour. Si les deux équipes nous rallongent encore une prolongation. Il faut déjà faire un stop là. Goudoucina face à Paul Turpin. Il essaie de prendre l'intervalle. Ouais, et on a créé l'espace. Et c'est raté. C'est raté, ça rebondit sur le cercle. À l'image de ce que Davis nous a fait plusieurs fois ce soir, au moins 4 fois. Alors, Gosselin pour Paul Turpin, il a hésité. Paul Turpin qui prend un peu de recul. Il va demander l'écran de Patrick Clérance. Gosselin à l'intérieur Patrick pour Clérance qui est servi. Clérance, il ne peut pas monter au cercle. Paul Turpin en déséquilibre. Au buzzer. C'est Rachat Davis cette fois-ci, c'est dedans. Qu'est-ce que c'est enfin Rajah Davis qui finit par valider au bord du cercle. Cette fois-ci, ça rentre. Redonnant l'avantage à Chaland à plus 2. Attention, Prola qui va aller finir au cercle. Et oui, en prise de vitesse face à Lucas Place. Et à nouveau. Égalité encore. Égalité 93 partout. Et Chalandais qui avait réussi pour une fois à passer devant. Pour 2 points et qui se font reprendre tout de suite. Il reste 35 secondes. Autrement dit, cette attaque Lucas Place est importante. C'est Rachat Davis qui prend l'autre faute. Il avait bien suivi hein, une nouvelle fois en rebond. C'est la cinquième faute du numéro 5, Goudoucina, qui va laisser sa place. Et c'est Joris Badeau qui va revenir aux affaires. Allez, deux possibilités pour Rajah Davis pour remettre Chaland devant. Attention à la contre-attaque immédiate. Il reste 31 secondes dans ce match. Et le premier tir est validé. Que ce match est serré. On n'en attendait pas moins d'un derby. Hein. De ce niveau-là, deuxième tir pour Davis. Et qui passe également. Pour Davis. Attention à la remise en jeu. Alors changement du shoot. Du changement là. Non, pas du shooter. On va changer Patrick Clérance pour Anthony Prunière. Et temps mort pour les Sables. Et oui, temps mort pour les Sables qui est à moins 2 et qui va aller chercher une solution. Ça avait payé tout à l'heure. Puisque c'est Mipoca dans le corner qui avait réussi à récupérer le ballon et pénétrer immédiatement en finissant en lay-up. Face à Gosselin, est-ce qu'ils vont reconstruire un peu le même système? C'est tout à fait probable, Benjamin. Ouais, on va voir, mais maintenant je me prononce plus trop parce que tout est possible sur ce match ce soir. On subit pas sur Prolac, on subit pas sur Mipoca. Faut qu'on les prenne. Par contre, on peut pas se permettre ici de prendre des milieux. No middle on le squad. Allez. Ok. No middle. Protect. Ok. I have one timeout again. Rebound together. Allez. We stay together. Eh oui, il faut rester ensemble jusqu'au bout. Il faut rester
dans la cohésion et dans une défense qui, si on réalise le stop, permettrait peut-être à Chaland d'aller tirer une dernière fois. Les Sablais ne peuvent pas de toute façon trop commettre de fautes. Hein. Sinon, à l'image tout à l'heure de Chaland, c'est prendre le risque. De toute façon, on aura 7 secondes d'écart entre la fin du temps et la possession. Un petit peu plus parce qu'on part pour 14. Pardon, ouais, autant pour moi. On repart pour 16 secondes derrière. Ouais. Donc, il y en aura encore une, quoi qu'il arrive. Mais si on pouvait... Il ne faut pas commettre de faute parce qu'on sait qu'on est dans la pénalité. Faire le stop. Il faut faire un stop sans commettre de faute. Pas facile. On a demandé de changer. Attention à Prolak. Mipoka également. À 3 points, Mipoka. Mipoka qui c'est rate. Raté. Le rebond. Turpin au rebond. Turpin qui obtient la faute. Et l'opportunité pour Chaland de remettre un petit écart à 20 secondes. Et si le match avait enfin viré du bon côté. Oui, mais il reste du temps encore. Hein. Et oui. Il faut surtout les mettre. C'est la quatrième faute de Thomas Klein. On a donc 3 joueurs encore à 4 fautes du côté des Sables. Que ce match est chaud. On se souviendra, quoi qu'il advienne, peu importe le vainqueur de ce derby chalandais, les Sables, VCB les Sables, comme étant un derby de haut niveau. Et comme quoi, il y a du beau basket aussi. En Vendée, avec ses deux équipes de National 1. Premier tir validé par Paul Turpin, qui obligera donc à au moins aller shooter à 3 points pour les Sables. S'il rajoute celui-ci, ça va vite devenir un peu compliqué, mais il reste 20 secondes. Il et le rebond, c'est pour les Sables, rebond, non faut. Alors, il y a quelque chose, là, il y a une faute d'Anthony Prenière, qui va donner 2 lancers. C'est bien ça, numéro 25, Anthony Prenière. C'est un mal pour un bien, parce que si on va prendre les lancers, certes, mais on va avoir l'opportunité de remonter le ballon après. C'est la deuxième d'Anthony Prunière. Ouais, on aurait pu récupérer un petit peu de temps. Voilà, c'est les commises un peu tôt. C'est peut-être le seul problème. Rechangement à nouveau côté chalandais. Sortie de Prunière. Patrick Lérance qui revient. Oui, parce qu'on a fait rentrer Jaris Bado. Et c'est Thomas Klein qui aura 2 lancers francs. Ah, je vois Mipoka qui est en train de boiter. Ouais. Apparemment, cheville gauche ou jambe gauche. Premier tir validé pour Thomas Klein. Allez, l'opportunité là, à nouveau, pour ces Sablais de revenir à seulement une longueur, 96-94 pour l'instant. Et le deuxième qui est validé. Attention, il va y avoir une presse tout-terrain là. Ça va presser très haut. Joris Bado qui commet la faute immédiatement. Qui ne veut pas manger trop l'horloge. Et si ça se joue au lancer, on l'a dit depuis le début, mais enfin depuis le début du quatrième quart-temps. C'est un peu un jeu de Randy Randa là. Première faute de Joris Bado. Changement, retour d'Anthony Prunière à la place de Patrick Lérance. Ça joue le coaching pour essayer d'aller chipper le ballon. C'est dur pour les nerfs. Hein. C'est très dur. Premier tir réussi pour Paul Turpin. Ce qui remet plus 2. L'idéal, c'est d'être à plus 3 et de leur laisser le ballon. Ouais. Pourrait-il pas encore en prendre un, mais... Allez, ça roule sur le cercle et le rebond de Thomas Klein. Attention, pas prendre à 3 points sur la tête qui crucifierait cette équipe chalandaise. Et il en est capable, Luka Wuba. Il l'a fait toute la soirée. Il a pris l'espace. Avec la victoire chalandaise qui va se... dessiner. Qui va s'imposer, se dessiner. Quel contre de Rashad Davis. À 1/10. Le contre de Rashad Davis qui empêche Luka Wuba d'aller finir ce move. Ouh, la salle qui exulte avec les sifflets sablés. Une ambiance de folie. On vous l'avait promis, on l'a eu. Chaland qui va s'imposer puisque 97-95 avec 2 lancers à suivre. Il restera 1/10 sur l'horloge. Victoire donc de Chaland sur le derby vendéen. Chaland les Sables avec un contre magistral de Rashad Davis qui a été depuis le début de la saison exemplaire. Et Chaland qui s'impose donc 98-95 avec cette remise en jeu, c'est terminé. Victoire donc du Vendée Chaland Basket. C'était magnifique. Quel match, Sébastien. Ah oui, un match dont on se souviendra. Victoire après prolongation, non sans mal. Exactement. Mais pour faire un beau match, il faut être 2. Les deux équipes ont été très belles. Très, très belles. Très, évidemment, très on l'a gros dit, match. Ça peut tourner dans les deux sens. Ça s'est rendu coup pour coup. Évidemment, ici, vu qu'on supporte Chaland toute l'année, on est ravis
que ça soit plutôt Chaland que les Sables. Mais on aime le beau basket. Ça s'est joué ce soir sur plein de petits détails. Mais les Sables l'emportent finalement. Les Chalands, pardon, l'emportent sur le score de 98 à 95. Prochain match, Sébastien, pour les deux équipes. Les Sables, il s'agira le 18 novembre de recevoir Chartres à domicile. Bouge pas, je l'ai là. Déjà, on va se déplacer dès vendredi le 17 à Toulouse. Chaland se déplace à Toulouse, ça sera le 17 novembre. Et le vendredi 24, on accueillera Vitré ici, soir de Black Friday. Ça va être chaud. C'est ça. Mais c'est pas grave. Ça sera donc le 24 novembre. Les Chalandais qui exultent sur le parquet, les joueurs qui sont contents, entourés par tout le public et qui exultent dans ce derby haut en couleur et qui nous aura fait trembler jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment super. Il va y avoir le clapping dans quelques instants, restez avec nous. Et puis, on se retrouvera bien sûr en direct sur la chaîne YouTube du Vendée Chaland Basket dès le week-end du 24 novembre, donc contre Vitré. Et vous pourrez suivre le déplacement comme à l'accoutumée. On vous retransmettra les images également de Toulouse face au Vendée Chaland Basket. Ça sera dès vendredi prochain. En tout cas, je voulais te remercier, Benjamin, de nous avoir accompagnés ce soir. Comme d'habitude, j'allais dire, parce que tu deviens vraiment un habitué de nos parquets. Et ça nous fait plaisir, en tout cas, d'avoir commenté sur Télé-Vendée. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on va rester quelques instants avec les joueurs. Merci de nous avoir suivis, en tout cas, avec les moyens techniques du Vendée Chaland Basket. Je remercierai, bien sûr, aux caméras Pierrick Lucas. Je remercie aussi Sébastien Mériot à la réalisation. Il y avait aussi Olivier. Et puis, également, sur la partie caméra-terrain, Romain, qui a passé son baptême du feu ce soir et qu'on remercie d'avoir suivi cette rencontre. On rejoint les joueurs sur le parquet. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup et bonsoir. Bonne soirée à tous.